Allez, ça y est, c'est parti. Il y a tout le monde qui commence à arriver. Salut à tout le monde. Salut, salut, tout le monde dans le chat. Je vous vois vous manifester. Hello, Dayard. Hello, Bonsoir. Lightning. Toujours ici déprimant. Il nous dit ici, non, non, on attendait juste que vous arriviez. On préparait. Moi, j'étais en train de préparer le dashboard pour savoir justement, pour voir vos messages, pour voir qui nous follow et tout ça. Donc, salut, 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 Bastoun. Salut, Sarah. Salut, Psycho qui nous dit salut, les nazes. Merci. Salut, salut. C'est réciproque, salut à toi. Bon les gars, du coup aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour la Ligue B avec cette fois-ci la 8e course sur 10 et ce soir c'est le GP de Mexico. Et on a Hassan Nino qui est dans le chat, salut Hassan, qui nous dit hola chicos, esta noche la carrera es en casa, vamos. Hassan, t'es mexicain ou quoi? Hassan en roue libre. Mais c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit dans la salle des pilotes, Ouais, qu'il était ce à soir, je domicile. roule à domicile. On attend de voir ça, Hassan. On va voir si t'as, si t'es boosté par le fait d'être à domicile. On t'attend en interview à la fin de la course. On Salut t'attend. Osavia, c'est Osavia qui nous dit Dayard DNT. Oui, Dayard en plus qui est là en tant que réserviste et qui va remplacer un des absents, un des trois absents de ce soir. Et voilà. Du coup, salut Lightning. On vient juste pour les places pour le GP de France. Ah, Lightning qui nous fait la transition parfaite. Magnifique. Alors là, Magnifique. franchement, tu nous mets bien, garçon. Du coup, on va vous parler directement de ce qu'il y a à gagner ici. Parce que la VMV a organisé un truc de malade. C'est que sans prévenir personne, les responsables de la VMV y sont partis dégoter deux passes pour un week-end complet pour assister au GP de France. Donc à savoir le samedi et le dimanche, les qualifs, bah, les essais libres 3, les qualifs, et le dimanche, bah, la course quoi, entière. Et donc bah, c'est ici que vous pourrez gagner donc deux passes pour le week-end entier. Donc voilà. Bah, je vais juste vous expliquer les conditions pour gagner. Donc déjà, vous aurez une chance de gagner si vous followez le Twitch, le Twitter et l'Instagram de la VMV. Donc voilà. Après, si vous vous abonnez à la chaîne, donc vous aurez 20 chances supplémentaires de remporter ça. Si vous offrez un sub à un pilote, je suis en train de lire en même temps, c'est pour ça que je suis en galère pour vous expliquer parce que je ne connais pas par cœur. Et si vous offrez un sub à un pilote, vous aurez 25 chances en plus. Si vous achetez un article dans le shop qui est disponible dans le Discord, hein, je vous invite à taper point d'exclamation aide, non point d'exclamation VMV pour avoir le lien du Discord, le lien du Twitter et de Instagram aussi. Et donc sur le Discord, vous avez accès à un shop hein, avec des articles de la VMV, des beaux pulls, des beaux t-shirts. Ils sont vraiment stylés. Et si vous faites un don pour la cagnotte, hein, la cagnotte qui permet d'offrir les trophées. Qui permettra d'acheter les trophées pour les pilotes. Donc, à savoir les vainqueurs des pilotes de la Ligue A, B et C pour les trois premiers de chaque ligue. Ainsi que des trophées pour les vainqueurs du championnat écurie. Donc, à savoir les six pilotes. Donc, six trophées pour chacun des pilotes. Donc, n'hésitez pas à faire un don donc, pour ces trophées. Et ce don vous qualifie directement aussi pour être susceptible de gagner. Un pass, bah les deux passes pour le GP de France du coup. Donc voilà, en plus si vous faites un don, vous avez 40 chances en plus d'être tiré. Parce que vous avez un format de chance en fait. En fonction de ce que vous faites, vous avez différentes chances de gagner ou pas. Bah, d'augmenter vos chances ou pas. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour sur ces deux places à gagner. Vous avez un lien dans le chat. Hein, si vous mettez point d'exclamation condition avec un S ou point d'exclamation giveaway, vous aurez des infos sur comment gagner ces deux places justement pour le GP de France. Donc n'hésitez pas à follow, à sub ou à faire des dons À offrir des subs, ou à offrir des à subs faire plein de trucs. pour avoir une chance de gagner. Bah, les deux passes pour le GP de France et puis aussi pour soutenir la chaîne. Hein, pour soutenir la chaîne. Donc voilà, on va pouvoir maintenant se consacrer à la course. Une course que j'ai pas dit qui sera ensoleillée en qualif et en qualif et en course. Donc pas de pluie aujourd'hui. Des Du pilotes qui début vont à être la à fin, il l'aise. fera beau. Ouais.
C'est plutôt mieux, c'est mieux quand même en vrai. Parce que le GP du Mexique, il est assez technique et prendre les S sous la pluie, ça doit être assez marrant. Donc voilà, je sais pas qui est le premier à être sorti, qui est le premier en tour. Là, on est sur Résulis. Résulis qui est sorti en médium, qui tente en médium. Pourquoi pas. Lightning, il dit si on n'a pas Twitter, c'est comment? Et ben c'est tant pis pour toi. Pas de bras, pas de chocolat. Tu ouvres un compte ça sur dégage. Twitter et tu juste pour follow la chaîne de la VMV. C'est gratuit en plus d'ouvrir un compte sur Twitter. Il te faut juste une adresse mail, je crois. Donc voilà. Salut Madforx, comment tu vas? Je fais un petit peu. Salut El Carpeto qui dit bonsoir à tout le monde. Comment ça va toi? Nous ça va. Vous voyez, hein, vous avez le lien pour faire les dons dans le chat aussi. N'hésitez pas les gars. Lightning qui nous dit Dayard spin au premier virage du premier tour. Ok, super. Et du coup, Hassan Igno prédit victoire Dayard. Sarah qui dit Hassan à la maison ce soir. Ah, j'avais pas eu son autre message en espagnol. Tengue todos mis amigos. Ah putain, le message il est parti. Hassan il parle qu'en espagnol ce soir. Donc s'il finit sur le podium, il nous fait l'interview en espagnol. Donc du coup, il va falloir qu'on vous fasse la traduction, ce sera un peu rude. Mais bon. Tengo todos mis amigos que vinieron a verme a mi y a mi ama. Bon les gars, si vous voulez la traduction, je vous laisse aller sur Google. Bonne chance à vous. Il y a un site qui s'appelle Reverso, c'est très très bien. Vous faites copier-coller. Hop, nickel. Bon allez, on se consacre. Hein. Ça y est, Wolf il a pris la pole. Wolf 1-15-5. Il a pris 6 dixièmes à Dayard. Hein. Dayard qui est là en tant que réserviste, qui a pris la deuxième place. Là on a Zidane qui va arriver, on va voir quel temps il va claquer. Et c'est la troisième position. Hein. 1-16-4 pour Zidane. On a super propre en 1-16-8. Puff Puff 5e, Bastoun 6e. Osavia 7e en médium. Mika 8e, Andredo 9e. Cajda 10e et Resulis 11e, les deux derniers en médium aussi. On va aller suivre Flocus qui en tour lancé son premier. On va voir ce que ça donne. Matt First qui nous rappelle, hein, Dayard le champion en titre de Ligue B, hein, c'est vrai. Hein, Dayard qui avait dû quitter le championnat et là qui revient du coup en tant que réserviste. Et qui était le champion l'année dernière de la Ligue B, hein, qui était monté en Liga et qui n'a pas pu concourir malheureusement, qui sera peut-être de retour la prochaine saison. Matt Force qui dit ça va le portugais et l'espagnol, ça se ressemble. Ouais, c'est vrai. Un petit peu. Il y a quand même pas mal de mots différents, mais il y a quand même quelques mots qui se ressemblent pas mal. Et il y a Didin qui est parti prendre la deuxième position. Flocus, c'est un 12e temps. Exactement. 12e temps. Ouais, deuxième position pour Dida, 3 dixièmes de Wolf. On a Hassan en tour. Allez, allons voir Hassan qui est à domicile. Hein. Allons voir ça. Et vous voyez, hein, dans le chat les conditions, hein, pour gagner les deux places pour le GP de France. Et salut Spartak, comment tu vas? Spartak qui dit allez frère Omika, appuie sur le champignon. Amika qui est parti prendre la 11e position. Ouais, ok, Carpet, ouais, j'avoue, ça marche nickel. C'est mieux au moins comme ça, j'en ai parlé une fois. Et puis après, s'il y a des gens qui veulent savoir comment ça fonctionne, on leur expliquera comment taper la commande. Et ça y est, Hassan qui a passé la ligne. 9e temps pour Hassan. 1:17.050. On le voit, hein, il relance pas de deuxième tour. Il y a quelques pilotes qui ont lancé deux tours et que. Avec leur soft, hein, comme Zidane. Ouais, il y a Tic là qui est dans le troisième secteur. Ok, on y va. Il a amélioré de 2 dixièmes. Un Tic, hein, qui arrive dans la partie qui se trouve dans un stade. Vous voyez un plein public là-bas. C'est la partie avant le dernier virage qui lance là et moins 3 dixièmes, 5e position pour Tic. Mm-hmm. Salut Selim, Selim qui nous dit bonsoir messieurs, allez Wolf. Céline qui est là pour encourager quelqu'un de son écurie, je pense. Céline, je crois, pilote PC. La Ligue PC. Et salut Bouzam. Bouzam qui nous dit c'est lent ici. Hein. C'est lent. Ouais. Non, ça va quand même. Je suis pas sûr que je ferais mieux. On te le dira demain soir.
Allez, on va suivre Mickey Mac. Mickey Mac qui va claquer son premier temps. Puff Puff qui s'est décalé pour pas le gêner. Et là, on arrive vraiment dans une partie sinueuse. Hein. Le Mexique hein, qui est. On a vite fait de couper et de, bah, d'annuler son tour de, ou de prendre un avertissement en course qui, après, bah, au bout de trois avertissements, c'est la pénalité. Donc, ça risque de se jouer aussi sur les pénalités, ce GP. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est une galère un petit peu à bien respecter les lignes. Ouais, surtout en qualif, hein, parce qu'en qualif, le but, c'est vraiment d'aller le plus vite possible. Donc, c'est d'explorer vraiment tout l'espace possible. Et ouais, dans les S, mais même dans presque tous les virages, hein, on peut penser aussi à l'enchaînement là au début du circuit là dans le premier secteur, le droite gauche droite, c'est très simple de couper aussi, donc c'est compliqué. Franchement, le circuit il est assez compliqué, mais bon, on va voir s'ils vont s'en sortir les pilotes. On suit Brady, notre Brady national, notre commentateur en Liga avec le pack. On voit un Brady qui arrive tout droit de l'XC1, qui a réussi cette première partie de saison à accéder à la Ligue B en étant dans les trois premiers de la Ligue C. Et du coup, Célim, il nous dit non, c'est juste qu'il publie des courses de sa part dans le Discord et il est très fort. Ouais, il parle de Wolf, Célim. C'est vrai que Wolf est un très bon rythme et il fait des résumés de ses courses sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller le follow sur YouTube, ça lui fera plaisir. Surtout qu'il a un vrai bon rythme. Et salut Unity qui nous dit allez puff puff. Et merci, ouais, merci du follow. J'avais pas fait attention. Merci de ton follow. Bienvenue à la VMV1. Profite du spectacle. Hein. Aujourd'hui c'est la Ligue B. Il y a la Ligue C1 sur la chaîne de Tercero. Et demain ça sera la Liga. Attention à Mickey Mac. Sur cette chaîne. Et Mickey Mac qui l'a perdu dans le dernier virage. En espérant que ça gêne pas Brady. Brady arrive à la fin de son tour. Il va falloir faire attention. Ouais. Pour ceux qui rentrent au stand, parce qu'il est pile sur la trajectoire. Brady qui va relancer un deuxième tour. Hein. On l'a vu, il a glissé juste avant le dernier virage. Il a perdu beaucoup de temps et il va pouvoir relancer un deuxième tour. On a Yema qui sort pas. Je sais pas pourquoi. Il y a Kajdanovic qui... qui a 7 dixièmes, presque 8 dixièmes d'amélioration là à la fin du premier secteur. Du deuxième secteur, pardon. Il arrive dans le stand. Qui ça, tu me disais ? Cash. Kajdanovic. Ok, qui arrive dans le dernier virage. Il va passer la ligne maintenant. Ça améliore bien. Hein. Ouais, sixième position pour Kajda. Bien joué. Deuxième tour aussi sur ses softs. Et on a André Do, hein, là, qui est en train d'améliorer de 2,5 dixièmes. Mm-hmm. Voir ce que ça donne en passant la ligne. Et 12e position. Belle amélioration. Dayard a pas encore pris de pénalité, nous dit Bouzam. Non, Dayard il est quatrième là. Je sais pas comment il a réussi à finir un tour sans couper, mais il est là. D'ailleurs, il a relancé un deuxième tour, on va le suivre. Ouais. On va le suivre, notre Dayard, avec cette belle Ferrari qui remplace du coup le pilote Ferrari qui est absent, qui est Atom. Atom est absent aujourd'hui. Unity qui nous dit puff puff, il est chaud. Où est-ce qu'il nous trouve ? Il est puff puff, 10e position. Ça va, c'est un beau temps. Il a une seconde 4 de la pole. Et Puff Puff, ouais, Puff qui vient de l'XC. Il vient de l'XC, Puff Puff, il me semble, c'est ça. Puff Puff qui vient de l'XC aussi, tout comme Brady. Il est chaud. Et Bouzam qui est dans l'humour ce soir. Bouzam qui nous dit Puff, il fume trop de Puff. Puff. Ah, bien joué, bien joué. Allez. Allez pour Bouzam, les gars. Pour la blague de Bouzam, n'hésitez pas, point d'exclamation, don, pour faire un don, pour avoir une chance de gagner des places pour le GP. Allez, Lightning, le tour de Wolf qui nous demande, c'est vrai qu'on a le Poleman là qui est en tour. Revenons au qualif. C'est l'un des seuls en tour lancé actuellement. Et voyons s'il arrive à améliorer, on le voit, hein, il prend des risques, hein, ça a failli glisser ici, mais il a bien réussi à la récupérer, c'est 1,5 dixième d'avance. Pour l'instant, sur son tour, il arrive dans la dernière partie du stade. Il y a tout le public, hein. Plus de gestes barrières, tout le monde est là, plus de masques. Et c'est parti, hein. Il glisse un petit peu sur la réaccélération, peut-être, ça améliore, hein. Ça améliore bien, 2 dixièmes d'avance. Même, ouais. Et Dida qui a coupé, on a les suivis Dida, mais Dida il a coupé. Donc on va suivre, on a Yema d'ailleurs qui est en tour. On va suivre Yema d'abord qui va bientôt finir son tour et qui n'a pas encore de temps. On ira voir Zidane après. On a Osavia aussi.
Ouais, Yamarin qui a pas encore claqué de temps. Lightning qui dit large la pole. Ouais, il a 5 dixièmes d'avance. C'est pour l'instant un très beau temps. Après avoir si Zidane fait un deuxième tour sur son jeu, là, peut-être qu'il pourra aller se rapprocher. Ayema, un très beau temps. Cinquième position pour Ayema. Une 16-247. Et du coup, on va sur Zidane. On a Ossavia aussi qui est derrière. Non, Ossavia est en drapeau jaune. Et Zidane a arrêté son tour. Par contre, voilà, on a Dida qui a bien relancé un deuxième tour. Dida qui a relancé un deuxième tour. Il va forcément essayer d'aller chercher la pole. Après avoir, hein, ne pas trop user les gommes aussi pour être un Il y a Ossavia avantage. dans le stade là. On va Il va aller finir voir la son fin du tour. tour de Savia. Ok, ouais, 9 dixièmes d'avance. Hein. Forcément, là, ça va améliorer. Il faut pas se louper maintenant. Ça peut aller chercher peut-être la 6e, 7e position. Et Et 5e même mieux. position, hein, 1 seconde 2 d'avance. Même mieux, ouais. Et ça y est, on arrive sur Dida là. Dida qui arrive lui aussi au stade. Dida en Aston Martin. Allez, Aston Martin qui est en Ligue B. Réussissent plutôt à avoir de bons résultats. Ah, il rentre au stade. Dida qui ne devait pas améliorer. J'ai pas fait attention. Qu'est-ce qu'on a en tour? On a Mika. On va aller suivre Mika, tiens. Mika qui est en fin de tour là, qui va arriver. Qui va peut-être relancer un deuxième tour. Il améliore. Il semble qu'il relance un tour aussi. Et Résulis. Hein, on est sur Résulis là. Résulis qui améliore bien son tour aussi. Là forcément, les pilotes qui vont faire que améliorer la piste qui a évolué pendant les qualifs, qui est plus chaude, qui a plus de gomme, qui adhère mieux. Il y a Et là, Résulis qui va améliorer, il on me va voir semble. le temps de Résulis. Ouais, 7e position pour Résulis. 7e, juste derrière, il y a Zidane aussi. Il me semble qu'il a amélioré à la fin du deuxième. Ouais, Et ouais. 2 dixièmes, et on a un nouveau follow. Merci du follow, Dams. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à la VMB, soir Ligue B. On a Allez, qui? on est On a sur. Super Propre Ouais, qui je est dans le suis stade. dessus, bien vu. Je crois qu'après, on a Flocus d'ailleurs qui va lancer un tour et peut-être Puff Puff qui arrive. Il y a Puff Puff, ouais, qui arrive en tour lancé. Et voilà, hein, ce super propre qui va chercher la 4e position en une 1660. On arrive sur Puff Puff. Puff Puff qui coupe pas, qui prend bien son virage, on dirait. Et ça améliore, ouais. 8e position, Hop, une P8, ça rentre dans le top 10. 16-326. Là, on est sur Kajda qui est encore loin de la ligne d'arrivée. Je crois que c'est Il y a Resulis. Hassan dans le dernier virage. Hassan, ça Et améliore, hein. 4 passe dixièmes 11e, ouais. d'amélioration, 11e Aux portes du position. top 10, il n'y est pas encore, mais c'est plus très loin. On va revenir sur Kajda qui arrive ici, ouais. On a Dyer devant lui, mais Dyer il est en tour de sortie. Et on a Zidane qui est en tour de rentrée après plus loin. Okay. Allez, voyons voir ce que Kajda va faire. Ça glisse pas trop là. Ouais, un petit dixième Et la P10. d'amélioration, P10. Ouais. Du coup, on a qui arrive? On a une AlphaTauri, il me semble. Monsieur Super Propre, peut-être sur un deuxième tour. Non, Monsieur Super Propre qui a Y a coupé le Focus dans le RS. stade. Ouais, exact. C'est juste derrière. Ouais, 6 dixièmes d'amélioration. On va voir où est-ce que ça va l'emmener. 9 dixièmes, hein, 15e 15. position. Il relance peut-être un deuxième tour. Ouais, il a gardé le RS. Sûrement un deuxième tour de relancer. Ouais, parce que là, il reste plus beaucoup de temps. On voit qu'il reste 35 secondes, mais bon, connaissant ce jeu, ça doit être buggé. Il doit rester un peu plus. Mais je pense qu'il doit rester moins d'une mille. Hein, donc, les derniers pilotes qui vont bientôt lancer leur dernier tour lancé, s'ils ne le sont pas déjà. Donc, bon, les derniers tours qui vont bientôt sortir. Alors, on va suivre la fin du tour de Dayard. Est-ce que Kajda derrière il est encore en tour lancé ou pas? Non. Non, Ok, non, non. et après derrière c'est qui? Après, il y a Tic aussi, qui Ok, on arrive à va la aller fin du sur Tic deuxième secteur. après. Allez, on suit Dayard là qui va passer la ligne. Et 4e position, hein, ça améliore. Ça améliore. On voit Tic hein, qui améliore de pas beaucoup.
ça va suffire pour aller grappiller quelques places. 2 dixièmes d'amélioration, ouais, ça gratte des places. On a qui après? On a une alpha, on a Flocus, il est en tour annulé. Oula, Flocus qui Ouh, casse. Flocus! Et derrière Je l'ai lui. un tout petit peu trop tard, malheureusement. Ouais, derrière lui, ça risque. On a Mika qui a 3 tours là, Mika qui va laisser passer. Non, il n'y a personne derrière lui. Ouh là là, je sais pas ce qui s'est passé avec Resulis. Resulis, sa voiture était récupérée par le bot. Le bot a foncé dans le mur, j'ai pas compris. Des petits bugs, j'ai pas Et puis on compris. a On va aller sur Osavia. Osavia, ouais. Osavia, Ouais. Osavia. On va voir ce que ça donne. Hein. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher la pole de Wolf là? Ça me paraît être compliqué quand même. Il y a 1 seconde quasiment d'écart. À voir. Et 4 dixièmes quand même Il va quand même d'amélioration en chercher la P4, hein. quatrième. Il lui rentre dans les 1-15. Bastogne qui rentre au stand. Dayard qui a plus 11 secondes. Dida qui a Et coupé. ça m'a l'air bon. Et Kajda qui rentre au stand. C'est donc fini pour ces qualifs, les gars. Et voici le résultat. Oxwolf qui va chercher la pole en 1:15-320. Suivi des 2 Aston Martin de Zidane et Lida. Suivi des 2 Ferrari d'Ossavia et Dayard. Puis on a Monsieur Super Propre et ainsi de suite. Vous voyez bien le classement, les gars. Donc voilà. On a Wolf bah, qui est dans le top 3 du classement. Il est 3e actuellement du classement général. Il a la pole. Et d'ailleurs, tu peux l'inviter. Ouais, tout de Tu peux suite. l'inviter dans la vocab s'il veut être interviewé, on va voir. Et ouais, comme je le disais, on a Wolf qui est troisième et qui a 6 points de retard sur le premier, qui est Résulis. Donc à voir s'il arrive à concrétiser la chance qu'il a de peut-être aller se retrouver en première position. Résulis qui est dixième, qui aura beaucoup à faire pour aller défendre sa première position au classement aujourd'hui. On a Ossavia qui est deuxième du classement général, qui a le même nombre de points que Wolf, donc qui peut aussi aller chercher des points importants pour la course au podium, le podium qui donnera accès à la Ligue A en fin de saison. On rappelle, il reste 3 courses. Aujourd'hui le Mexique, la semaine prochaine le Brésil. Et le dernier circuit, ça sera un vote des pilotes pour choisir le circuit. Donc on n'a pas encore le circuit, un circuit qui sera voté 2 semaines avant. Donc sûrement la semaine prochaine, on pourra peut-être déjà vous communiquer le circuit. Et ça y est, on accueille Wolf. Salut. Salut Wolf. Bien joué pour ta Salut. pole. Merci. Alors, comment tu vas? Bah ça va, hein, on est motivé, comme tous Motivé? les lundis. Et comment tu te sens alors sur la piste? Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Après, il y a la sensation quand même que c'est vraiment la course un peu piège. Il peut se passer un peu tout et n'importe quoi. Il peut y avoir de la casse au premier virage. Il peut y avoir une erreur de pilotage. Bon, c'est un peu. Tu sens qu'il peut vite, ça peut vite partir de l'autre côté. Donc. Ouais, et puis tu nous fais bien de nous parler du premier virage. C'est vrai que là, tu as la pole, mais au Mexique, on le sait, hein, il y a une grande ligne droite au départ. Tout le monde derrière toi va pouvoir avoir ton aspiration et tout. Est-ce que tu crains pas justement un petit peu ce départ où tu risques d'être en danger? C'est un peu moins fort qu'en réalité sur le jeu, l'aspiration. C'est un peu moins puissant qu'en réalité. En réalité, c'est vraiment, tu pars premier, t'es pas premier à la fin du truc. Je pense que sur le jeu, c'est possible. Après, bon, va falloir bien chauffer les pneus, bien utiliser le RS et puis pas faire. Bon, voilà, s'il faut laisser 1 ou 2 places, au premier virage, laisser 1 ou 2 places. Après, je préfère quand même partir premier que troisième. Je me dis que bon, j'avais plus de chances quand même d'arriver en disant. Plus de chances de me retrouver dans une situation où c'est moi qui vais dicter le virage, normalement, si je rate pas le départ. Ok, bon, on va te laisser aller te préparer pour la course. On espère que ça se passera bien pour toi et puis on te souhaite bonne chance. Hein. Merci. Allez, encore GG pour la pole et bonne course à toi. Merci. Et du coup, dans le chat, j'ai pas trop vu. On a Dams, il me semble que j'avais remercié Dams hein, pour le follow tout à l'heure. Oui. Lightning qui nous dit quelle heure la course? La course qui va démarrer. Tu t'es occupé À d'envoyer le message? 21h32. Ok, J'ai mis le message 21h32. 21h32. C'est Les parfait. pilotes seront autorisés à appuyer sur prêt. Ça nous laisse le temps de vous rappeler, les gars, que la VMP organise un concours pour gagner 2 places pour le GP de France.
de place pour tout le week-end. Donc, si vous voulez des infos, vous tapez point d'exclamation condition avec un S ou point d'exclamation giveaway dans le chat. Vous avez plusieurs moyens de participer donc à ce tirage au sort pour tenter de gagner les deux places. Et donc, voilà, hein, pour participer après, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous avez le shop pour acheter des articles de la VMV sur le Discord. Ou vous pouvez faire tout simplement un don à la chaîne qui ira directement pour acheter les trophées pour les vainqueurs des différentes ligues de la VMV. Donc voilà. Et on a Lightning qui nous dit les convolf, il aurait dû faire un chrono en médium vu son rythme. Ouais, après c'est aussi compliqué les médiums qui sont pas évidents pour tout le monde sur ce circuit. Mais à voir, parce que de toute manière, on le sait, hein, ici, rares seront les personnes qui tenteront de faire un seul arrêt. Donc faire deux arrêts, on est obligé de chausser les médiums à un moment, il peut le faire sur le deuxième relais. Donc là, au moins, il a l'avantage d'être en pôle et comme il dit, hein, de dicter le rythme et de pas avoir de bouchon. Après, il y a les pénalités aussi qui vont être très, très compliquées à gérer pour certains. Surtout quand on est derrière quelqu'un, on a tendance à peut-être moins bien prendre les bonnes trajectoires et peut-être plus couper. Donc à voir ce que ça va donner. On a Dayard hein, qui nous dit la qualif pas trop mal, on verra la 3 étoiles, la course. Ah ok, on verra la course. Et vous voyez un Bouzam qui utilise dans le chat les commandes aussi pour avoir des infos sur les pilotes. Donc vous avez des infos en direct, hein, vous avez les commandes du IGKTAS, ouais, c'est la télémétrie en fait qui vous permet d'avoir des infos sur les pilotes. Donc vous avez des infos là, par exemple la position du championnat de Résulis, il est actuellement premier au championnat. Vous avez les commandes aussi pour avoir les meilleurs temps et tout ça, les meilleurs temps des pilotes en course. Vous tapez point d'exclamation aide dans le chat avec un S et vous aurez du coup toutes les commandes. Une petite prédiction, j'ai cru voir Tielto, salut Tielto. C'est vrai que vous avez des points de chaîne, vous avez envie d'utiliser vos points de chaîne. Alors attendez parce que là... Exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui peut la faire la prédit, qui a les droits pour la faire, ça m'arrangerait vraiment. Et il y a Kajda dans le chat. Salut Kajda, yo les gars, bonne course qui nous dit. Bonne course merci à toi aussi. Bonne course. Ah, j'arrive pas à faire les prédits là, je suis en galère. Donc la course qui va bientôt être donnée, qui vient bientôt être lancée, ça y est, on a le chrono dans 30 secondes. Bonne course d'ailleurs, bonne course à toi. Ah ouais, d'ailleurs, du coup, tu vas commencer ta course, tu pourras pas faire ta prédiction, toi qui aimes bien prédire. Ouais. Concentre-toi sur le bruit et virage hein, plutôt que sur la prédiction. Chauffe bien les pneus. Mieux vaut finir la course officielle plutôt que de gagner 400 points de chaîne. Ouais. Donc bon. Lâche le stream. Salut Full Golden hein, qui dit bon courage aux pilotes. À Sanigno qui dit problème familial dans les paddocks. Qualif raté. MDR. Allez, bonne course à tous les gars, ça y est les pilotes hein, qui démarrent le tour de formation qui leur permettra de chauffer les pneus et... Pourquoi ça change pas de vue? Si tu fais R1, toi ça change de vue. Mm-hmm. Ah ça y est. Je change de pilote et reviens, je crois. Et Bouzam qui nous dit prédiction, est-ce que Dayard va se faire éliminer car trop de pénalités? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on aura un est-ce pilote qu'un, est-ce qui qu'un pilote disqualifié se fait disqualifier pour trop de pénalités? C'est vrai que ça peut être pas mal, ça, comme... Ah, s'il y a un modo, là, qui peut prédiction. Faire ça dans le chat, hey, Bouzam, si tu peux la faire... En vrai, Bouzam, toi, tu peux la faire, normalement, t'as les droits. Faut que tu te connectes, ça m'arrangerait. Et ça y est, les pilotes, hein, comme on l'a dit, sur le tour de formation... Mm-hmm.
Aussi, on n'a pas parlé du championnat écurie. On a les Red Bull hein, qui sont premières du championnat écurie. Et nous, on est bien contents parce qu'on est chez Red Bull avec Louisy. Exactement. Donc, au moment où on vous dit qu'on est, que Red Bull est premier, on est en train de célébrer sans faire de bruit. Ouais. Mais on ne célèbre rien du tout parce qu'il reste encore trois courses et tout peut se jouer. Exactement. Parce que c'est derrière nous, on a des écuries. D'ailleurs, on l'a pas précisé, mais il y a une Alfa Romeo qui ne sera pas là ce soir. Et c'est Alfa Romeo justement qui est deuxième, en deuxième position de ce classement des écuries à une cinquantaine de points. On rappelle hein, les classements écuries qui mélangent les pilotes des trois ligues PlayStation. Et on a aussi les Aston Martin hein, qui sont en troisième position et on peut le voir, elles sont très très bien classées les deux. Exactement. Donc elles vont rapporter énormément de points. Alors pour la suite du classement écurie, je ne l'ai pas devant les yeux, mais on a quelques écuries qui se tiennent dans très peu de points, il me semble, à partir de la troisième, quatrième position. Alors après, on a AlphaTauri en quatrième, suivi de McLaren, Ferrari, Alpine, Mercedes, Williams et enfin Haas. Nickel. Donc ouais. Pile poil avant le départ, vous avez plus ou moins toutes les infos. Et puis si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous aurez toutes les infos en direct où vous voulez. On l'a pas précisé pendant le tour de formation, mais il y a le top... À partir d'Hassan qui part en 12e jusqu'au dernier, c'est-à-dire Brady, tout le monde part en médium. Donc le top 10 est forcé de partir en soft parce qu'ils ont fait leur tour en soft. Il y a juste Kajdanovic qui a choisi de partir en soft. Voilà. Les feux qui se sont allumés et qui viennent de s'éteindre. Mais comme d'habitude, on a le même bug. Donc les pilotes qui vont bientôt s'élancer. Voilà, ça y est, c'est parti. Les pilotes qui s'élancent et on a plutôt un bon départ hein, de Wolf. Hein. Wolf qui a l'air d'être plutôt bien parti. Il arrive à conserver la tête pour l'instant. Ouais, ça passe hein, pour Wolf. Hein. Wolf et Zidane hein, qui est deuxième, qui est juste derrière lui. Devant hein, ça. Oh, il y a Hassan qui s'est pris un petit coup de roue là, par Kajdanovic en sortie de virage. Les deux pilotes qui se sont pas vus. Enfin, Kajdanovic qui a pas vu Hassan. Et du coup, ça fait partir Sanou en spin. Il a 8% de dégâts, tout comme Mickey Mac aussi, hein, qui est 17e. On l'a vu perdre beaucoup de positions. Les deux pilotes qui ont respectivement 8% de dégâts sur leur aileron. Un mauvais départ pour ces pilotes-là. Ouais, mais sinon, il me semble que c'était plutôt propre. Hein. Ouais, dans l'ensemble, on n'a pas vu d'accrochage nous non plus, avec la vue que nous propose le jeu. Et puis, on a vu surtout un départ qui s'est bien passé pour les trois premiers pilotes qui ont conservé leur place et qui n'ont pas eu d'accrochage, qui ont pu bien passer. Derrière, ça a l'air d'avoir suivi, à part malheureusement, comme tu disais, l'accrochage avec Hassan et Mickey. Et puis voilà, un premier tour qui s'achève avec Wolf en tête, Zidane derrière et Dida. Comme je le disais, le podium qui n'a pas changé. Par contre, derrière, on a Ossavia, le perdant là de ce top 10 hein, qui a perdu deux places au profit de Dayard et Dayema qui ont eux au contraire gagné des places. On a Resulis aussi hein, qui en 7ème position a gagné 3 positions. Donc un départ qui a été plutôt mouvementé, à part pour l'avant de la tête, on l'avait dit, hein, cette ligne droite qui pouvait être dangereuse pour la pole. Et Wolf, comme il nous l'a dit, si il gérait bien son départ, qui s'inquiétait pas. Et comme il l'avait dit, ça, il n'a pas eu à s'inquiéter, ça s'est bien passé. Par contre, ça n'a pas été le cas pour tout le monde et on va voir comment va se dérouler le reste de la course. Là, on a une petite bataille à Yema hein, qui est très proche de Dayard. Il y a Hassan aussi qui est rentré au stand, il a changé son aileron, il a remis des softs. Donc il y a Hassan qui était en soft et qui est reparti en soft. Hassan, hein, ouais. position perdue. Il va garder la même stratégie, mais bon, avec un gros gros handicap, parce qu'il a maintenant 30 secondes de retard sur l'avant-dernier. Donc. Compliqué, mais il faut jamais lâcher hein, comme on l'a souvent vu dans ces courses dans les semaines qui sont passées. Une safety car peut tout lancer. Une Ferrari Ossavia qui est parti à la faute et là ça va être compliqué hein. Il est obligé de laisser passer tout le monde, il perd énormément de temps là, il a pas le choix, il doit laisser passer tout le monde et là il a pu repartir hein, juste derrière Mickey Mac et du coup voilà hein, il se retrouve avant dernier et que Hassan qui a pas pu le rattraper forcément avec son arrêt au stand, mais ça vient hein, qui n'a pas eu de dégâts, mais malheureusement pour lui, par contre, il a perdu beaucoup de place. Et là, je vois, il y a Dayard aussi qui a perdu une position. Ayema qui est passé devant et Ayema qui prend une pénalité. Ça y est, les pénalités qui commencent à tomber.
dans la bataille avec Dayard, il a coupé et il a pris la première pénalité. Donc c'est lui le grand vainqueur de cette première pénalité. Pezzoui qui nous demande les pneus et c'est tout de suite, on repart sur la stratégie de visualité, de visualisation des pneus. Oula. Oula, oui, oula, où je suis allé, je ne sais pas. Et devant, hein, on a Wolf, hein, ça y est, il a plus d'une seconde. Donc ouais. Il essaie de se mettre à l'abri, hein, mais Zidane, il essaie de le suivre. Par contre, Zidane, hein, qui a distancé Dida. Donc les deux premiers, ouais. Bah, même les trois premiers sont à l'abri pour l'instant des pilotes derrière eux. On a Ayema qui se bataille avec Dayard, Resulis. On a une petite bataille, hein, de Ayema jusqu'à Kajda, ça se bataille. Et là, ça va être... qui a repassé devant Niki Mack. Ça va être la bataille de DRS, cette grande ligne droite. Mmh. On voit un Dayard, hein, qui est plus qu'à 3 dixièmes d'Ayema. Cette grande ligne droite avec le DRS, hein, où ça peut faire la différence. Et Ayema qui plonge par l'extérieur. On va se passer sur la vue derrière, sur Resulis, hein, pour voir ça avec un plus grand angle. Voilà, ça se lasse de la place. Et Ayema qui a un peu glissé, qui a failli partir, mais qu'il a bien rattrapé. Et derrière, il est encore le grand perdant. Et parce que Ayema, les deux zones de DRS, il n'a pas le DRS. Ah, et Ayema dans la bataille a pris des dégâts en plus. Il a 21% de dégâts sur le côté gauche. Il s'est fait passer par Resulis, puis maintenant par Puff Puff. Ouais. Et on a Kajda qui arrive aussi. Kajda qui va être proche de lui. Ayema qui risque ouais, de Kajda perdre un peu de temps. Kajda qui s'est bien bataillé aussi avec Superprop dans le premier virage. C'était en même temps que la bataille entre Dayard et... Ouais, Ayema hein, très et, intelligemment, il s'écarte et même si malheureusement pour lui il perd beaucoup de temps, il prend pas le risque de déranger les autres pilotes. Malheureusement pour lui, hein, avec les dégâts qu'il a, il est en galère et il va devoir passer au stand et perdre beaucoup de temps. C'est dommage, mais comme vous le savez, hein, la Ligue 1 se déroule en dégâts simulation, donc le moindre accrochage. C'est la casse directe et après quand on a l'aileron abîmé, bah forcément on perd en aérodynamisme. Et là, on le voit, Ayema qui rentre au stand va sûrement chausser les médiums. On l'a dit tout à l'heure, le Mexique deux arrêts parce qu'il y a 36 tours déjà et l'usure des pneus est assez élevée vu les virages qui demandent beaucoup d'efforts aux pneus. Et là on voit Resulis qui est très très proche de Dayard qui va pas avoir le DRS encore une fois. Et Resulis qui va se montrer à l'extérieur. Et là, ça va passer à l'intérieur. D'ailleurs, qui va peut-être tenter de décroiser. Mais non, Resulis est bien devant. Comme j'essayais de vous le dire depuis tout à l'heure, on a la zone de DRS où. La première zone de DRS. Les deux premières zones de DRS, on a la même détection. La détection qui se trouve dans le stade. Donc, juste avant la ligne d'arrivée, hein, sur la carte, vous pouvez le voir, il y a la Red Bull qui arrive dessus sur le troisième secteur. C'est le petit point vert là où il y a la Red Bull. Et en fait, ici, c'est la zone de détection. Donc, si le pilote il a moins d'une seconde du pilote devant lui, il a le DRS sur la première zone, ainsi que sur la deuxième zone. Donc, les deux premières zones, il faut être... Bah, c'est là, sur la ligne, ici où Dayard vient de passer. Il est à moins d'une seconde de Resulis. Il va avoir les deux prochains DRS. Et Resulis, lui, n'en aura aucun. Donc, sur les deux zones, Resulis va subir, hein, malheureusement pour lui. C'est un peu... C'est un peu comme... Et attention, Ayema qui l'a perdu. On ne pourra pas voir, ouais. Malheureusement... Et il a cassé Ayema. Et voiture de sécurité. Car, hein. Ouais, et casse d'Ayema, oui. Casse d'Ayema hein, dans le secteur 2. Ayema qui a cassé. Osavé qui rentre au stand tout de suite. Ouais, Osavé hein, qui profite de la safety car pour direct aller chausser un autre train de pneus. Plus les softs là. Hein, les softs sur une stratégie à deux arrêts. On s'arrête à peu près tour 9-10. Ils doivent être à 30%. Moi, je dirais à peu près d'usure. Donc là, clairement. Je pense que tous les pilotes en soft. C'est 39% à peu près pour les pilotes. Tous les pilotes qui devraient s'arrêter, hein, tous les pilotes en soft. Et ça va profiter, hein, c'est cette safety qui va profiter au médium. Oui, bah profiter, oui et non, je sais pas en fait. Parce que ça offre un arrêt gratuit pour les soft. Hein, ça profite aux soft en fait. Il y a profité hein. Pour s'arrêter. Ouais, attention les gars, vous avez un delta, collez pas trop. Accélérez pas trop sous safety car, prenez le temps de manière. C'est pas comme sous VSC où vous perdez du temps, là vous allez tous vous recoller, vous pouvez peut-être perdre un peu de temps sur ceux qui vont vous repasser devant si vous vous arrêtez au stand, mais sinon. Donc Wolf qui s'arrête,
Zidane et Dida qui s'arrêtent. Donc je pense que Dida il va perdre des places malheureusement. Rezulis qui suit. Ouais, bon, il me semble que tout le monde rentre. On a tous les softs, hein, tous les softs qui s'arrêtent et les basses. Toon qui va prendre le lead. Non, on ouais, a Wolf. C'est ça. Non, Bastoun va bien passer devant Wolf. Quelle position ouais, va Bastoun ressortir Wolf? On a Flocus aussi. Et on a Flocus qui est passé aussi. Brady, P5, Kikimak, P6. Ouais, donc Wolf hein, qui ressort P7. À la quatrième position. Hein. Très, très bonne opération là, de Wolf. Hein. Wolf qui n'aura plus qu'un seul arrêt à faire et qui se retrouve déjà quatrième. Autour de pilotes qui devront encore s'arrêter. Zidane, lui, a perdu deux positions par rapport à Wolf. Donc ouais. Là, c'est vraiment une bonne opération pour Wolf. À voir, hein. Après, tout reste à faire. Et il faut voir aussi comment se déroule la relance. Mais on a résolu. Et grâce à cette safety car, l'intégralité de la grille est en médium. Alors, certains sont en médium neuf, d'autres en médium usé avec lesquels ils ont commencé la course. Mais tout le monde est en médium. Et tu fais bien de le préciser car j'ai pas d'anecdote dessus. C'était une... Tu fais bien de le préciser parce que j'ai rien à dire. Ouais. Donc, Non, en vrai, si, j'ai quelque chose à dire. C'est que je m'en étais même pas aperçu. Donc, ça se trouve, les autres fois, je m'en suis pas aperçu. Mais il me semble que c'est la première fois qu'on, comme tu le dis, qu'on va voir des pilotes qui sont tous avec le même train de gomme, avec les mêmes pneus, quoi. Bonne question. Ouais, ça a peut-être dû arriver, je pense, il y a moyen. Après, on s'en rappelle pas. Hein, mais... Bah après, comme il y a souvent des stratégies décalées, donc si c'est une stratégie en arrêt en soft medium, donc soit il y en a qui partent en soft, soit en medium, et puis s'il y a une safety, bah ils font l'inverse. Donc, mais c'est vrai que là, ça va être marrant de voir parce que ça plus ou moins ils vont être là, tous dans le même rythme, quoi qu'on a des jaunes. On a des jaunes à 6 tours qui vont peut-être faire un peu la gueule au bout de 2-3 tours, à voir. Ouais, et c'est vrai qu'il y a que du jaune entre les drapeaux jaunes. Et les pneus jaunes, on voit la vie en jaune. Et sinon, dans le chat, comment ça se passe? Vous êtes déjà tous endormis là ou j'aimerais bien avoir un petit c'est les comment ça s'appelle des trucs là où tu appuies et ça fait les trucs dans les stades là qui font les bruits de ouf. Ah, les soundboards, genre ou genre t'as plusieurs sons et non, les trucs dans les stades que tu appuies et. Une cornemuse, un truc comme une cornemuse ou un truc comme ça là. Tu ah ouais, dedans, okay. Ça fait un bruit de ouf. Je les réveillerai tous qu'est-ce là, je les vois pas dans le chat. Cornemuse. Là. Je les vois pas dans le chat, ils sont tous endormis. Bah ouais. Bah, c'est vrai qu'on a le bruit des moteurs qui est plutôt apaisant. Il est pas dans l'agressivité. Ah d'habitude c'est Dayard qui maintient le chat réveillé, mais là il est occupé donc. Donc ça devient tout de suite plus compliqué. Ouais, n'hésitez pas aussi à participer les gars, à participer au concours pour essayer de gagner deux places pour le GP de France. Vous avez les infos dans le et chat. Et du coup t'as pas fait de prédiction du coup? Et du coup non. Je sais pas pourquoi ça bug avec mon téléphone, mais c'est que la prochaine fois. Mais... Ouais voilà, c'est ce que nous dit Tielto hein, dans le chat, le bruit des moteurs nous berce. Et ouais, Full Golden qui nous dit on est concentré sur la course. Mais Full Golden, t'es concentré sur la course, mon safety car, y a pas de bataille là. Y a pas à être concentré. Et on l'a vu, hein, les safety cars qui rentrent. Ouais, elle va rentrer. Donc vous allez bien être rêvé par les moteurs Merco et Honda et Renault et Ferrari. C'est bon, j'ai oublié personne. Ouais, c'est bon. Vous allez bien être réveillé, ça va vous faire du bien. Et Sarah qui dit on est là. Ok, ça fait plaisir de voir que vous êtes là. Et du coup, ça y est, Bastoun qui a relancé. Et André Douin qui le suit de près, ouais. Ça y est. Hein. Flocus la relance qui a été donnée. Il se fait tout de suite attaquer. Ouais, on a une attaque directe là. On a même plusieurs Brady attaques. Hein. On a Wolf. Ouais, on a Zidane aussi hein, qui passe sur Brady. Voilà, vous en avez de l'action là, messieurs. Et mesdames. Et on a Tielto hein, qui nous dit je dis que la safety car va vite ressortir. On n'espère pas. On n'espère pas, ouais. On a pas envie de s'endormir justement. Et ça y est, une relance qui a été un peu mouvementée par des petits dépassements. Et on a Dayard qui passe là sur Mika à l'extérieur. Et ça y est, c'est passé pour Dayard. Hein. Dayard qui a des pneus plus frais que Mika. Et derrière Hassan qui a bien profité de cette safety car pour recoller à tout le monde et qui commence
sa remontée à domicile et qui nous disait être à domicile et être content, qu'il voulait faire un gros résultat. Malheureusement, au départ, il a eu les petits pépins qui l'ont mis au fond de la grille, mais il a pu recoller au peloton. Maintenant, à lui d'aller chercher des points. Oh, et devant, ouais, je vois que ça, Wolf, là, qui est passé, ça bouge devant pas Mika. Mal. Et on a un drapeau jaune. Hein. On a Résulis, Kepasso, il me semble. Kepasso. La Résulis, ouais, qui a cassé son aileron. Qui laisse passer, ouais, qui a son aileron de cassé, du coup. On n'a pas vu pourquoi. Et puis là, on a les pilotes, hein, très très proches ici. On va aller suivre Mickey Mac qui est proche de Flocus, qui va peut-être tenter une attaque. Ouais, on le voit, un DRS allumé, ERS allumé, je veux dire, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, sûrement des petits accrochages. Hein. Ouais. Et ça passe pour Mickey Mac. On a Dida aussi à l'attaque sur Mika. Mika qui s'est pas mal, oui, fait dépasser la relance. A eu des dégâts par rapport à deux. Il y a super propre aussi sur l'extérieur. Ça a touché un contact avec Mika. Et encore contact. Hein. On voit un gros contact avec l'Alpine ici, avec Kajda. Monsieur super propre qui a plus d'aileron. On n'a pas de VSC, on n'a rien. On a un aileron sur la piste. Il faut faire attention que les pilotes. Et si on a une VSC, voilà, ça y est, la VSC qui est de sortie. Alors, il me semble qu'on a plusieurs pilotes là qui ont pas mal de dégâts. On a peut-être Monsieur Super Propre, peut-être Kajda, ouais, aussi. Super Propre, ouais, des dégâts. Kajda, ça apparaît pas, donc. Attention, hein, on ne cesse de le répéter, les gars, pendant la VSC, c'est le moment où les pilotes ont un delta à ne pas dépasser, donc il faut vraiment s'ils vont trop vite, il faut qu'ils ralentissent. Ils ont un indicateur. Et s'ils respectent pas ce delta à la fin de la VSC, ils prennent une pénalité de passage au stand, donc ils sont obligés de passer par, ouais, les stands. Et ça, c'est un vrai handicap. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose à éviter. 20 secondes de perdu, c'est du temps qu'ils ne rattraperont jamais. Donc c'est vraiment, ouais, un delta qu'il faut respecter. C'est pas respecter. Compliqué, mais bon, avec la voiture devant, vous voulez la dépasser, vous voulez essayer de rester le plus collé possible afin de ne pas perdre du terrain. Et bah, le DT, il arrive plus vite que ce que vous pensez, et ça peut vraiment gâcher une course. Donc, ouais, voilà, vraiment, vraiment faire attention à ça. Et ça y est, hein, le drapeau vert qui a été redonné, justement, pas de DT cette fois-ci. Nickel. Alors qu'on avait été habitué justement plusieurs fois à voir des DT. Et cette fois-ci, les pilotes ont bien compris. Et là, on voit Zidane, hein, qui est très très proche d'Andredo. Andredo qui fait petit bouchon. On a Bastoun, hein, peut-être la stratégie de Red Bull, de Bastoun qui laisse passer Wolf pour que peut-être Wolf s'envole. Et peut-être faire bouchon là, Zidane, hein, qui a deux pilotes à dépasser pour continuer d'espérer rester au contact de Wolf pour aller chercher la première position. Et ouais, et là comme on est en train de le voir, il y a donc surtout Ox Wolf, mais Zidane aussi, ils ont quand même réussi assez rapidement à naviguer entre les pilotes qui avaient des pneus plus vieux, ce qui n'est pas le cas du tout de Dida. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là pour le pilote Aston Martin, mais il est 9e et il a du mal à. Il n'a pas autant de facilité à rattraper les pilotes avec des gommes plus usées. Il a plus de difficultés, ouais, que son coéquipier. Ouais, après, on rappelle, hein, Wolf, il a démarré 4e, il a dépassé le 3e à la relance, et après le 2e, c'était son coéquipier. Et on a Zidane, ça y est, qui passe Andredo, enfin avec l'aide du DRS. Donc on le voit, hein, Bastoun qui a déjà 2 secondes d'écart avec Wolf, et Zidane, hein, tout à l'heure il avait qu'une seconde d'écart, et là il se retrouve déjà à 3 secondes, donc il est en train de perdre un temps fou. Il y a Kajda aussi, hein, qui est passé sur Mika pour la P10. Ouais, on est arrivé un petit peu trop tard, malheureusement. On n'a pas pu voir le dépassement. Ouais, Osavia, il va avoir le DRS sur la deuxième zone, justement. Ouais, ce qu'on expliquait tout à l'heure, hein, Mika qui est le grand perdant, ouais, hein, celui qui est devant, ouais, en tête de meute, n'a pas le DRS 2 fois d'affilée. Et bah, vous voyez, il a perdu 2 positions. Ouais, une à chaque DRS. C'est un peu comme le début du circuit en Hongrie. Hein. C'est le même point de détection pour les deux, exactement, les deux premières zones. Exactement. Et du coup, c'est un peu compliqué pour celui qui est premier. Enfin, j'essaie de penser à d'autres circuits qui l'ont, mais à part la Hongrie. Oula, et Zidane, hein. Zidane qui a loupé son freinage, qui a failli atterrir dans Bastoun, mais il a réussi à l'éviter, mais il a perdu un peu de temps. Mais il aura quand même le DRS. Et Bastoun, hein, qui a coupé, a pris 3 secondes. 3 secondes de pénalité, ses premières. Ouais, on le voit, hein, Zidane, ouais, qui a quand même le DRS. Par contre, il va être un peu loin. Il va être un peu loin pour tenter quelque chose. Par contre, on a Mickey Mac derrière, là, qui se rapproche rapidement
Zandredo, et ça va tenter à l'intérieur. Non, il est trop loin. Il est trop loin par Dida qui a dépassé contre. Brady. Ouais, Dida qui dépasse Pareil, Osavia Brady. qui passe Kajdanovic sur la ligne droite. Cette grande ligne droite hein, qui permet d'effectuer des dépassements assez pas facile, mais comment dire. Et ça y est, hein, Zidane qui est passé sur Bastoun. On a loupé. Mais comment dire, une ligne droite qui permet oui, de faire des dépassements sans trop prendre de risques. Donc il faut vraiment bien être concentré le reste du tour pour optimiser ses chances de dépasser à cet endroit-là pour pas casser. Je bégaye. Bon, un petit coup d'eau, tiens, et on a Andredo là hein, qui a eu du mal là dans les S. Hein. Andredo avec 12 Ouais. tours sur ses médiums, mais ça va passer hein, pour Mickey Mac. Mince, je me suis trompé. Ouais, ça passe pour Mickey Mac à l'aide du DRS, hein, troisième zone de DRS, on l'avait pas dit, mais dans les S, on a un point de détection et on a une zone de DRS juste après. Et Andredo qui a réussi à rester sous la seconde et qui va avoir le DRS du coup. Et Andredo Et qui rentre au Andredo qui stand. rentre au stand. Il Il plonge, va ouais. peut-être tenter l'undercut du coup sur Mickey Mac. Hein. Mickey Mac qui lui ne s'est pas arrêté. Exact. Et on a Drapeau jaune Flocus secteur 2, c'est une aussi. Ferrari. On a une Ferrari. C'est Est-ce la qu'on va Ferrari réussir à Tayar. arriver? Ouais, on arrive trop tard. Attention les pneus chauds. Et Wolf, hein, ça y est, il a creusé l'écart. Hein. Il a profité du bouchon Bastoun et du Ouais. bouchon Bastoun et Andredo pour s'envoler. Et 3 secondes 7. Hein. On va essayer de suivre au fur et à mesure, voir si l'écart augmente ou rétrécit. Et pendant ce temps-là, il y a Dayard qui est passé sur Plaque Prof, hein, qui a dû s'arrêter au stand et il a chaussé des softs. Oh, Hein. Zidane. Zidane, 3 secondes de Zidane qui prend pénalité. 3 Hein. secondes. Ça va peut-être faire la différence. Ça va encore peut-être permettre à Wolf d'être plus à l'aise sur le reste de la course. Et là, on arrive à. On vient de passer quoi? Le tiers dont Et on non, a mais fait c'est un tiers Super de la Prop là qui course va déjà. dépasser sur Dayard. Ouais, le On a tir, fait un ouais. tiers de la course et pour un circuit comme le Mexique, finalement, il n'y a pas eu tant de pénalités que ça, quoi. Il y a quoi? On a quoi? 4 pilotes avec 3 secondes. Pour le coup, je Attention. pensais qu'il y aurait plus de pilotes ou même plus de pénalités. Mais finalement, les pilotes qui s'en sortent plutôt bien Attention à pour ne ce pas début de parler trop course. vite. Les pilotes Ouais, qui au c'est début de vrai. course sont bien concentrés, sont bien reposés, mais faut pas oublier qu'après, quand les pneus vont être usés, quand la concentration sera plus compliquée à avoir, c'est là que tout peut se décanter. Mais c'est vrai, comme tu le dis, il n'y a pas énormément de pénalités et moi aussi j'aurais pensé en voir plus. Et il n'y a plus beaucoup de batailles en piste. Là, on a Hassan, hein, Hassan qui est le seul pilote à avoir le DRS sur le circuit, il me semble, et il l'a sur Cajda, ça va lui permettre de se rapprocher. En attendant, on fait un point sur les meilleurs tours. Wolf hein, en 1.1941, suivi de très près hein, Zidane en 1.1957. On le voit, hein, les deux qui sont vraiment dans le même rythme. Mais Wolf qui a profité vraiment de la safety car et des pilotes avec pneus usés entre eux deux pour créer un écart. Et je crois qu'on a une pénalité pour Dida qui vient de tomber là aussi. Ouais. On voit un Hassan hein, qui a un très très bon rythme. Hein. Il est dans le rythme des deux premiers en termes de meilleur tour. Il s'est arrêté tout comme eux à la safety car et avec les mêmes pneus. Il est parti chercher un temps en 1.19.343. Il est revenu à la 9e position. Il a réussi à grappiller quelques places. Donc à voir, hein. Vu qu'il y a eu pas mal de soucis, qu'il y a eu un souci au départ. Tac-tac, hein, déjà relégué à 20 secondes du leader. On va revenir sur l'intervalle. Ouais, 7 dixième, hein. Il va encore avoir le DRS, là, cette ligne blanche au sol. La zone de détection et Mickey Mac qui s'arrête, ça y est, on va voir Qui s'arrête, justement. ouais, on Hein. va voir Il où est-ce qu'il ressort par ressort par rapport à rapport Andredo. à Andredo. Andredo qui arrive dans le stade, là. Le pilote As. On assure aussi Hassan là, qui a le DRS. Qui Mika va qui rentre au stand aussi et Mickey Mac tenter l'intérieur qui a là. chaussé des softs. Les deux pilotes hein, qui sont très très proches, hein, Cajda et Hassan. On voit c'est prudent. Et Cajdan, du coup, Et qui a André. laissé de la place et qui a pris malheureusement une pénalité. C'est un peu le risque aussi de prendre à deux de front des virages aussi serrés. Bah, c'est que pour éviter de se toucher, on coupe un peu et on prend l'avertissement. Et là, ça Et permettra à Andredo Hassan de remonter. qui a pris beaucoup, qui a pris une grosse grosse avance sur Mickey Mac, hein, Ouais, c'est vrai. avec l'undercut là. C'est vrai, il a fait deux tours en plus, Mickey Mac. Ouais. Avec les pneus usés, il a perdu, oui, il a perdu 6 secondes. Hein, 6 secondes. Je sais pas s'il a dû changer d'aileron, mais je pense pas. Par Non, contre, il me semble que non, Mickey mais Mac. Mickey Mac, il a mis des softs.
Ouais, il a mis des softs, hein, Andredo qui part sur une stratégie medium-medium soft. Alors qu'on a pas mal de pilotes qui vont faire du soft-medium soft. Donc je pense que. Je sais pas ce que t'en penses, mais on va voir ce que ça va donner. Mm-hmm. Le Bastoun au stand, ça y est, Bastoun, hein, Bastoun qui a été très loin avec Bastoun, ses médiums, hein, 16 tours, il chausse les softs. C'était le dernier, hein. c'était le dernier, c'était le seul pilote qui s'était pas encore arrêté. On a un drapeau jaune encore une Ferrari, il me semble. Drapeau jaune. C'est reparti. Ouais. Et Dida. Un Dida qui a le DRS sur Puff Puff et qui est bien revenu sur lui. Donc là, il va peut-être tenter quelque chose. On voit un Puff Puff qui a plus de RS, hein, un circuit où c'est très très compliqué d'aller chercher le RS et Dida, hein, qui plonge à l'intérieur. Et ça passe très bien pour Dida. Et on a Mickey Mac, il me semble, qui vient de dépasser Flocus. Mickey Mac, hein, qui a lui chaussé les softs, qui va sûrement rattraper le retard qu'il a accumulé sur Andredo. À voir sur le dernier relais ce que ça va donner. On va revenir sur Puff Puff, hein, qui est assez près. Dida, qui l'a pas lâché, qui a pas dit son dernier mot après s'être fait doubler. Et on a un monsieur super propre, hein, qui est rentré au stand. C'est l'Alpine de Résulis qui a spin. Ah, il a spin. Il repart, pas de dégâts à noter. Donc, Ouais, très étonnant. Résulis qui, j'avais pas vu, a chaussé les hards. Et monsieur super propre aussi, hein, qui vient de s'arrêter au stand pour chausser les hards, pour tenter d'aller au bout. Il en ressort là, tout juste. Donc les hards qui me semble, doivent être très 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 compliqués à gérer. Unity qui dit Puff Puff sur le podium. Ouais, Puff Puff, hein, qui vient pour l'instant, se faire doubler par Dida, mais qui, ouais, à l'aide des pénalités, si la course s'arrêtait là, ouais. Mais à voir, là, il a plus le DRS, hein, il a perdu le DRS sur Dida. Donc à voir s'il arrive à rester sous les 3 secondes. Attention à Puff Puff parce qu'il a déjà deux avertissements, donc un dernier et c'est la pena. Donc attention à. Attention parce qu'il reste beaucoup de tours. On vient de passer la moitié. Donc, attention, hein, pour pilote AS. Pour l'instant, un des pilotes qui n'ont que 3 secondes. On a que Dayard qui a 6 secondes. Donc, pour l'instant, ça va encore, mais on est à peine à la moitié de la course. Donc, on verra. On fera un autre point en pénalité plus tard. Tous les pilotes ont pris au moins un avertissement. Et on a un drapeau jaune. Attention, on a une casse, hein. On a Bastoun. Oulala, Bastoun et Kajdanovic. Ouais, Kajdanovic, hein, qui l'a perdu à la sortie des S. On a vu un Bastoun qui était en bas. Non, attention, qui était juste derrière. Il est revenu sur la piste. Ouais. Et nouvelle safety car. Dida qui rentre au stand tout de suite. Puff Puff qui suit. Ouais, il me semble par contre que Wolf et Dida ne sont pas au Wolf niveau de l'entrée des stands. Mais ça va, ils ont la safety car derrière eux. Ils vont pouvoir. Avancer et s'arrêter à la fin de ce tour. Les autres pilotes qui ont. Non plus qui s'est pas arrêté. Dida qui met des hards. Des pilotes qui a choisi les médiums. Voilà, et clairement, on a des pilotes, hein, qui vont pouvoir s'arrêter, mettre des médiums pour aller au bout. Je comprends pas pourquoi Dida. Il aurait dû me remettre des médiums pour moi, non? Mettre des hards là. Peut-être sur la stratégie, on a des médiums qui tiennent à peu près une quinzaine de tours. 18 tours. Je sais pas. Peut-être qu'il avait plus de médiums. Je sais pas. Voilà, Dida qui va se retrouver en hard du coup, hein, et on va voir si le podium s'arrête. Mais il me semble que le podium devrait s'arrêter. Oui, le podium va s'arrêter, je pense. Parce qu'ils sont obligés de s'arrêter, donc autant le faire maintenant. Hein. Pas Zidane. Zidane, ouais, logiquement, qui suit. Et on a Bastoun, Bastoun qui va être bien positionné avec ses softs. Par contre, Bastoun. Ah oui, oui et non, en vrai, parce que oui, il va être bien positionné, parce qu'il est en soft 9 et il sera premier. Mais non, parce qu'il va devoir s'arrêter, quoi qu'il arrive encore. Parce que aller jusqu'à la fin sur ses softs, ça m'a l'air un peu compliqué. Et les pilotes comme Wolf, et ça est Bastoun, qui rentre. Je te coupe parce que voilà, du coup Bastoun rentre et il va sûrement chausser les médiums. Parce que du coup ces softs auraient été trop durs à emmener au bout, voire impossible. Et là avec des médiums, il sait qu'il va peut-être tenter d'aller au bout. Bastoun, le timing.
Ouais, qui t'as mis compliqué pour Bastion, ouais. Un tour près, il ne se serait pas arrêté, il n'aurait pas perdu autant de positions, ouais. Ouais. Et on a caché un dans le chat. Qui était le dernier à s'être arrêté, il me semble. Il avait poussé 16 tours, 16 ou 17, je ne sais plus. 16. Sur ses médiums, c'est 16, voilà. C'est 16 tours, et du coup, ouais, il ressort en 10e, ouais. Et on a encore beaucoup de pilotes qui vont du coup être en médium. On a 3 pilotes en hard et 2 pilotes en soft. Mmh. Donc un peu de diversité, ça fait pas de mal. Et comme je disais, on a Kajda dans le chat qui nous dit « Désolé les gars, j'étais en lutte depuis quelques tours avec le fond plat pas bien. J'ai forcé, soyez forts. » Ah ouais, ça c'est compliqué. Hein. Une fois qu'on a le fond plat abîmé, malheureusement, on peut rien faire. Et là, on perd de l'aérodynamisme, on perd un peu de trait. Non, on perd de la vitesse de pointe. Ouais, après du coup ça devient compliqué et là malheureusement il l'a perdu à la fin de cet enchaînement là qu'on est en train de suivre avec Bastoun. Donc là vraiment c'est ici là on réaccélère une dernière fois à fond et si on accélère au mauvais moment, au mauvais endroit, la voiture à part. Et comme vous voyez les murs sont assez proches et ça va pas louper pour Kajda malheureusement. Je sais pas si t'es sur PS5 mais si t'as le clip et que tu peux nous l'envoyer, quand on trouve un temps on pourra l'envoyer Kajda. Bah, on voit le moi surtout, moi qui suis. Ouais, surtout il y a Basico parce que c'est lui qui montre. Et voilà, voilà. Donc la safety car qui va permettre, donc comme d'hab, à des pilotes de recoller au peloton. À des pilotes comme Monsieur Superprop qui avait tout à l'heure à la relance perdu son aileron et perdu beaucoup de position et de temps. Il va pouvoir revenir, mais cette fois-ci avec des hards. On va voir ce que ça va donner à la relance les hard, hein. Ça va être dur de grappiller des positions, mais sur la durée ça peut peut-être être bénéfique, mais les hard hein, très très compliqué hein. Sur un circuit comme ça où il faut, faut vraiment bien doser sur les virages et tout. Je doute de leur efficacité, à eux de me montrer. On va voir hein, parce qu'il y a Dida aussi, hein. Dida qui est en hard. Et d'ailleurs hein, on a par rapport au classement général, on a Resulis. Qui est un peu le grand perdant pour l'instant de cette course. Hein. Lui qui est premier au classement général avec 6 points d'avance sur Wolf et Osavia, bah, il est avant-dernier. Et Wolf, et Osavia, Wolf et Osavia sont très bien positionnés pour empocher pas mal de points pour repasser devant. Et on a Mika, Mika qui est 4e, bon il est 7e. On a Bastoun qui est 5e, qui est pas très bien positionné aussi. On a Cash qui est 6e du classement général. Et qui a DNF du coup malheureusement. Ouais. Ah oui, Kajdanovic qui a DNF malheureusement pour lui. Et il a pas mal de pilotes autour de lui qui sont resserrés au niveau du classement. Lui qui a 88 points et qui est 6ème. On a Flocus à la 12ème position qui a à peine 8 points de retard. Donc ça va être très compliqué pour Kajda. On a vraiment entre la 4ème et la 12ème position, on a une vingtaine de points qui les séparent. On a Zidane hein, qui est 8ème avec 85 points, hein, qui pourront pocher pas mal de points et faire un bon classement aussi. Ouais, il y a Andredo aussi, hein, il est 6ème là sur, dans la course et il est dans les derniers au classement. Ouais, Andredo qui est 18ème, tu fais bien de le rappeler. 18ème hein. au classement général et donc lui qui a absolument besoin de points pour pouvoir espérer rester en Ligue B. Bah, pour l'instant, il est 6ème, il fait une bonne course. Je sais pas, il a gagné combien de places depuis le début. On a Lightning qui nous demande qu'est-ce qu'il a eu à Yema. Yema l'a perdu dans les S, il me semble. Un peu comme Kajda qui l'a perdu à la sortie des S. C'est ça. Il y a deux pilotes qui l'ont perdu. Ouais, à Yema, c'était au début des S, il me semble. Ouais, c'était ouais, vers le début des S. Alors Kajda, c'est vraiment à la sortie des S. Enfin, dernière réaccélération. Et oui, Andredo, comme tu le dis, 18ème, 34 points. Hein. Il va marquer pas mal de points. Bah, là, il faut, fait une bonne course. Il a gagné 11 positions. Pour l'instant, il a gagné 11 positions. Bah, par contre, le problème que j'ai avec Andredo, c'est qu'il est déjà à 7 tours sur ses médias, mais ça va être compliqué. Ouais. Ça va donc, être compliqué est-ce qu'il pour va lui, devoir s'arrêter à nouveau ou pas. Ouais. C'est tous les pilotes à partir d'Andredo, pas tous, mais. Certains. Mickey Mac, Hassan, Flocus, ça va être compliqué d'emmener les pneus jusqu'au bout. Une safety car, j'ai pas vu si elle annonçait, elle va l'annoncer là, à la fin du deuxième secteur, le petit trait blanc sur la map. Il me semble que oui, hein. J'ai l'impression que ça fait 20 minutes qu'on est sous safety car. Ouais, mais parce que les pilotes avaient beaucoup d'écart, là, ils sont tous resserrés. Là, elle va l'annoncer, voilà, début du secteur 3, la direction de course vous annonce que la voiture de sécurité rentre ce tour. On prend les mêmes et on recommence. C'est reparti.
Cette fois-ci, c'est une autre Red Bull à la relance, c'est Wolf. Wolf, cette fois-ci, qui va dicter le ton. Tout à l'heure, c'était son coéquipier Bastoun. Wolf qui prend bien son temps, qui laisse la safety car prendre de l'avance pour ne pas être jeté par elle. Et on a Puff qui a abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Puff qui a du spin. Prend 5 secondes. On va pas pouvoir malheureusement suivre ce qui s'est passé pour Puff. Oh, on va suivre la bataille entre Zidane et Wolf. Enfin, Zidane qui a très très bien reçu Wolf. Enfin, Wolf qui s'est laissé un petit peu avoir sur cette relance. Bah, c'est plutôt Zidane qui s'est pas laissé avoir. Mm-hmm. Ça va tenter, on va rester sur la bataille. Je vois qu'il y a d'autres dépassements, mais on va rester sur cette bataille. Ils sont à deux troncs là dans le virage et ça passe pour Zidane. Très très beau dépassement de Zidane. Zidane qui a fait une très belle opération en cette relance. Ouais, et Wolf qui a perdu du temps à la relance, comme tu le dis. Ouais, ça va pas passer là. On va aller voir. Hein. Derrière, on a des batailles. On a Mika qui vient de se faire passer par Dayard. Reprends ta respiration, respire. Ouais, là ça donne. C'est le moment où il faut envoyer. Réveillez-vous! Réveillez-vous les gars, on a Lightning, hein. Lightning, celui qui souhaite du malheur à tout le monde nous demande un spin de Wolf. Ouais, spin Wolf, c'est pas drôle, il nous dit. Attention, Karma Lightning, tu sais, tu connais sa puissance. Ah, on a Tilto qui nous dit allez Wolf. Qui attaque Andredo. On va suivre la bataille là, Mickey Mac sur l'extérieur et Andredo qui défend bien. Ça va essayer peut-être de croiser ici et non ça va pas passer. Dans le stade, il n'y a pas de place pour en dépasser. Et on va voir, la revanche là. La revanche entre Wolf et Zidane. Ouais, c'est le dixième, ça va être compliqué. Le DRS n'est pas encore activé. Ouais, on voit un Wolf qui reste derrière, tranquillement, qui patiente. Hein. Et on a Mickey Mac et Andredo qui se bataillent encore. C'est fait. On va suivre la bataille à l'aide de la vision d'Hassan, qui est à l'arrière, qui peut voir tout ça. Ouais, Andredo qui se range derrière. C'est passé pour Mickey Mac et Hassan. Hein. Hassan qui a bien profité encore une fois de cette safety car pour revenir à la 7ème position. Et salut Simon Stream, bien joué. Et attention, on a encore un drapeau jaune. On a Dayard. Quel est pneu chaud qui est en hard et qui est en galère. Ouais. Allez, ça va le faire d'ailleurs. On y va, Résulis. Résulis peut-être à l'attaque là de Mika, très très proche. Ça va être compliqué là de dépasser ici. Bon, les pilotes qui sont bien resserrés. Un petit train s'est formé à partir d'Andredo. Voilà, c'est comme ça Simon. Bien joué. Point d'exclamation, condition dans le chat. Et toutes les infos pour tenter de gagner des chances. Pour tenter de gagner des places pour le GP de France. Et Bastoun. Bastoun sur Flocus peut-être. On a Mickey Mac aussi, hein, là, qui est très très proche d'Osavia. Et c'est le DRS qui est réactivé. Donc le point de détection qui n'a pas servi pour ce tour, ça servira pour le tour d'après. Et Mickey Mac, il n'a pas besoin du DRS. Il est en soft. Il a profité d'être bien collé à Osavia pour le dépasser juste à l'aide de l'aspiration à l'ancienne. Très beau dépassement. Bien joué. On va aller suivre Bastoun derrière, qui est toujours proche de Flocus, qui n'a pas réussi à dépasser là sur la ligne droite. Bastoun qui est patient, qui sait qu'il a les gommes moins usées que Flocus, qui va peut-être s'en servir pour patienter et doubler quand le moment se présentera vraiment. Et Wolf hein, qui est quasiment à une seconde. Hein. Oui. Mm-hmm. Ouais. Wolf qui est quasiment à une seconde. Non, il se rapproche de Zidane. Il va pouvoir avoir le DRS là dans la prochaine zone à la sortie des S. Ce qui va directement pouvoir l'attaquer. Et on voit, il n'active pas le RS, il sait bien que le doublé ici, ça servira à rien. Et Hassan, 3 secondes pour Hassan. Par contre, là, ça y est, il est très très proche de Zidane. Il a profité de ce DRS pour bien revenir. Ouh, Hassan qui plonge. Ouais, on voit. L'intérieur de Andredo. On voit, il y a eu pas mal de dépassements là. Il y a Bastoun aussi qui est passé sur Flocus. Et on va revenir sur Wolf. Sur Wolf qui va attaquer Zidane. Qui va attaquer Zidane. Là, c'est moins de 3 dixièmes. Ça active pas le RS, juste à l'aide du DRS, ça va passer sur l'extérieur. Il y a Zidane qui va sur l'intérieur plutôt, et Zidane qui va tenter de défendre. Ouais, non, et ça passe pour Wolf, ça passe tranquillement. En plus de ça, il va encore une fois avoir le DRS, comme vous le savez maintenant. Et il va pouvoir tranquillement s'éloigner. Et derrière, on a Résulis sur Brady. Et ça passe pour Résulis.
Et Brady qui va avoir le DRS. Sur les Suzis aussi, on a plusieurs pilotes là qui ont le DRS. On a Tic derrière aussi qui est très proche. Ouh, attention, Mika, ouais, le freinage. Il a failli emporter Tic avec lui. Et donc, ouais, là, il y a 4-5 pilotes qui se suivent bien, là, qui sont tous dans le DRS les uns des autres, là, qui essayent d'attraper la 10e position. Et ça se suit bien. Et encore 3 secondes. 3 secondes pour Eusebio cette fois-ci. Tac-tac. Ouais, devant, on a plus de. On a Wolf, hein, Wolf. Si c'est Zidane. Ah, est-ce qu'il a eu le DRS? Alors, vraiment, c'était à 1,018 secondes, il me semble. Il me semble qu'il l'a pas eu à 18 millièmes. Non, ça s'est joué de rien parce qu'il était en dessous juste avant et non, il l'a pas eu. Il l'a pas eu. Ça y est, Wolf qui va pouvoir peut-être pouvoir s'écarter et reprendre, reprendre les distances qu'il avait pris au départ de la course. Surtout. Et on a Mika qui rentre au stand, qui va changer ses softs. Ouais. On a André Do sur Bastoun. Je l'avais pas vu venir. Bastoun sur Andredo. Ouais, Bastoun sur Andredo. C'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse, en effet. On a Rezulis là qui s'est rapproché de Flocus, qui va peut-être tenter sur la deuxième zone de DRS. Flocus qui me semble qu'il a pas le DRS. Non, il a pas le DRS, en effet. Et ça va passer. Ça va passer pour Flocus. Et attention, pour Rezulis, pardon. Wolf a pris son deuxième avertissement. Donc il est plus qu'à un avertissement de la pénalité. Tout comme Zidane. Hein. Zidane qui a pris 5 avertissements. Donc il est également à un avertissement de prendre une deuxième pénalité. Attention entre deux. Attention. Et puis je pense Mickey Mac qui devrait pas tarder à s'arrêter aussi. Comme Mika, je pense. Lui qui a 10 tours sur ses softs aussi. Je pense pas qu'il pourra aller les amener jusqu'à la fin. Donc du coup il va perdre beaucoup de position le pilote McLaren malheureusement. Et là on a Tic, on suit Tic, un Tic qui est très proche de Flocus, qui a des pneus en plus frais et qui va sûrement pouvoir attaquer là sur la ligne droite. On a Rezulis aussi, hein, on va aller sur Rezulis. Hein. Non, Andredo qui s'arrête et Flocus aussi qui s'arrête. Du coup, pas de bataille. Et Rezulis hein, qui vient rechercher la 8e position. Une 8e position qui va lui permettre peut-être de grappiller pas mal de points pour conserver ou tenter de conserver la première position au championnat. Donc ça va, il s'est bien rattrapé, lui qui est avant-dernier à la relance de la safety. Et on a Eusebio dans le DRS de Dida. Et Dida, des petits coups du dragon pour couper l'aspiration. Dida qui, avec ses hards, s'en sort plutôt pas mal. Bon, il a perdu une place sur Mickey Mac, mais au final, Mickey Mac devra s'arrêter. On a Eusebio par contre qui va tenter peut-être de l'attaquer. Eusebio qui a des médiums, contrairement à Dida qui est en hard. Donc à voir si les médiums qui vont commencer à être usés vont être moins performants que les hards. Oh, ça vient, qui a 7 dixièmes. Qui va essayer d'aller chercher, peut-être là dans la ligne droite, plus de puissance pour aller le dépasser. Ouais, ça a été chercher le DRS vraiment sur le fil. Il était à 934 millièmes. Donc ça, il va profiter du DRS. Et ouais, là on est bientôt dans la phase où les médiums vont commencer à être plus performants que les médiums, je pense. Et ça va pas faire les affaires d'Eusebio malheureusement. Et Brady bon, qui rentre au stand. À rester au contact. Et attention. Dida qui prend 3 secondes. Ouais, Dida qui prend 3 secondes. Dida qui prend 3 secondes, mais Eusebio qui en a 8. Hein. Il me semble qu'Eusebio il a dû prendre 5 secondes au. Ouais, on a Bastoun qui va tenter là sur l'extérieur d'Hassan. Il n'y a pas beaucoup de place. Et ça passe. Hassan qui a bien laissé la place. Et voilà, Bastoun qui vient passer devant. Très, très beau dépassement. Un Bastoun qui a tenté l'extérieur. Il n'y avait pas beaucoup de place. Mais il a préféré choisir l'extérieur. Il devait se sentir plus à l'aise à l'extérieur. Et c'est passé. Et du coup, on a Hassan hein, qui va peut-être contre-attaquer là sur la prochaine ligne droite. Lui qui est encore dans le DRS. Qui n'est qu'à 5 dixièmes de Bastoun. Et du coup, hein, comme tu le disais, on a Eusebio qui a 8 secondes et Dida il est à 6 secondes. Donc, ouais. Donc voilà, pour l'instant, Dida est tranquille. Et à noter aussi que Bastoun a 5 secondes de moins que. Est à 5 secondes, pardon, d'Eusebio. Et il a 5 secondes de pénalité de moins. Donc, ça peut. Peut-être que. Est-ce que Bastoun va réussir à passer Eusebio aux pénalités? Hassanoul aussi qui est dans le DRS de.
de Bastoun, il a une chance de passer devant Ossalia aux pénalités. On va voir si les deux pilotes ils arrivent à rattraper le pilote Ferrari pour essayer de gagner une position. Voilà, voir hein, peut-être à eux d'être intelligents et de ne pas trop se batailler. Ouais, c'est ça. Éviter de se batailler et essayer de se tirer l'un à l'autre. De se tirer, c'est ça, exactement. On a quoi ? On a Résulis, ça. Résulis, il n'a pas de pénalité encore. Et pour l'instant, il passerait devant Asanoul, pardon. D'ailleurs, Asanoul et Bastoun, la dernière bataille en piste qu'on a. La dernière bataille en piste. Et on a des pilotes qui sont à 6 tours de la fin. Et Dita qui a pris 3 secondes. Qui reprend 3 secondes. Ouais, et là, ça fait les affaires de Bastoun et Asanoul qui maintenant peuvent viser ont une encore chance plus loin. D'aller chercher la P4. Mais ça, c'est des infos qu'ils n'ont pas, à part Bastoun. Bastoun qui, en étant 6e, voit le 4e. C'est ça. Donc il voit, mais Hassan n'est pas au courant. Donc à voir. Ouais, Hassan ne sait pas. À voir comment vont agir les deux pilotes, s'ils vont réussir à rester dans la zone. Secondes. Pour passer devant Ossavia et Dida, qui ont plus de pénalités qu'eux. Et pour l'instant, on a Mickey Mac aussi, hein, avec ses vieux softs qui vient de passer dans les. Qui vient de sortir des 3 secondes de Zidane. Mais Mickey Mac qui se bat toujours pour la paix de ce soir, mais avec les gommes qui empirent au fur et à mesure que les tours passent, ça va être compliqué, je pense, pour le pilote McLaren. Ouais, c'est ce que j'étais en train de voir. J'étais en train d'y penser juste avant que tu en parles, c'est qu'on a Mickey Mac hein, qui est sur une stratégie totalement différente de tous les autres pilotes. On va aller vite fait dans le directeur de course. Et on le voit, hein, c'est le seul pilote qui n'a effectué qu'un seul arrêt. Il est parti sur une stratégie, mais totalement inédite, parce qu'on a vraiment un circuit qui use énormément les pneus. Et comme vous voyez, tous les pilotes, bon, il y a eu des safety, c'est sûr, mais même sans safety car, tous les pilotes quasiment comptaient faire 2 arrêts. On a Mickey Mac qui a tenté une stratégie différente et ça a l'air de payer pour l'instant. Hein. Mais c'est vrai que là, sur la fin de course, ça va être compliqué. Hein. 15 tours pardon, avec les softs, j'imagine même pas dans quel état ils sont. Je sais pas, t'as pas une petite info là, croustillante à nous donner. Il lui reste 3-4 tours, hein, donc c'est pas fini. Donc ils sont. Ouh, et Wolf. Ouais, bon, Wolf qui prend 3 secondes, mais ça va. On a Hassan et Bastoun hein, qui suivent depuis tout à l'heure. Hassan qui va passer. Ouais. Ouais, ça bataille pas. Hassan est passé tranquillement avant la zone de freinage. Et ça ils ont gagné une seconde de pas sur perdre de temps. Ouais, ça depuis le moment où on a parlé, il se rapproche. Petit à petit de ça vient. Bon, pour aller chercher Dida, je pense que ça sera un petit peu plus compliqué. Mais on sait jamais. Hein. On sait jamais. Voilà, Dida qui a creusé l'écart d'ailleurs avec Ossavia. Tu fais bien de le rappeler. Et les Hart qui ont l'air du coup d'être plutôt performants maintenant, contrairement au Medium qui commence à être usé. Hein, 11-12 tours. On doit être proche des 40-45%. Ça doit être plus compliqué que les Hart. Mais pour en revenir au soft, t'as pas la télémétrie J'ai la télémétrie, mais je pense pas qu'elle soit correcte parce qu'il a 45-50% d'usure. Mais avec ça, 15 tours sur des softs, j'aurais pensé que ça aurait donné plus. Ça se peut, si c'est un pilote qui vraiment fait attention, qui sait aussi faire son setup. Peut-être qu'il fait attention et qu'il a ce pourcentage, ouais, effectivement. Et puis, s'il sait aussi régler sa voiture, je pense qu'il peut la régler de manière à ce que ça use moins les pneus. Donc c'est vraiment... Ça commence à user et ça commence à être compliqué. Mais avec l'écart qu'il a avec Zidane, on peut voir qu'il lâche pas l'affaire. Hein. Voilà, il est à 3 secondes 4. Non, moi, là, avec il est toujours dans la région des 3 secondes. Avec 16 tours sur mes softs, là, ça fait longtemps que je serais dans le mur. Et c'est vrai que toi, depuis que qu'on en a parlé tout à l'heure, il a perdu que 3 dixièmes sur Zidane. Donc c'est vrai qu'il se bat encore pour la deuxième position. Hein. Lui qui a pas de pénalité. Et voilà, il n'a pas de pénalité, en fin de course, il a 2 avertissements, Mickey Mac. Donc plus qu'un avertissement et c'est la P1. Et on le voit, c'est pareil pour Zidane. Hein. Zidane qui, depuis tout à l'heure, est sur 5 avertissements. Plus qu'un et c'est la P1. Et bah, pareil pour Oxwolf qui vient de prendre un avertissement. Donc les 3 premiers qui sont à un avertissement de la P1. Donc bon. Voilà. Je pense que pour Wolf, ça ferait pas trop de différence.
parce qu'il a 7 secondes d'avance. Mais Zidane, Wolf, celui qui prendra une péna, bah, aura de très peu de chances de garder la P2 ou de la prendre justement. Donc à voir si l'un des deux pilotes va craquer ou pas. Et on a mis Kimak, hein, le temps d'un instant, j'ai bien vu, il était à 2,9 secondes, hein, mais ça a été que le temps d'un instant. Ouais. C'est ça. Et on a une deuxième bataille en piste, hein. On en a plus qu'une, parce que Bastone, ça y est, commence à se faire distancer par Hassan, il est plus dans le DRS, mais par contre Focus, lui, s'est bien rapproché de Andredo. Ouais, ça fait et un bout de temps qu'il est derrière le pilote. Ah, j'avais pas fait ça, attention. Bataille, il me semble qu'il y a 2-3 tours, il était déjà dans sa seconde, il me semble. Mais ouais. Là, ça va sûrement tenter là, sur cette ligne droite. On le voit, Dayard, hein. C'est bien écrit en gros sur l'écran, 12 secondes de pénalité. Le 12 qui est bien marqué, ouais, en gros. Et c'est passé pour Flocus. Et attention à Dida, hein. Dida qui a un avertissement aussi de prendre une péna, ce qui pourrait faire les affaires de Savia, d'Assanou et de Bastoun. Ouais, Hassan, hein, qui pour l'instant serait en 5ème position, ouais, si ça en reste là. Hein. Il reste encore 2 tours. Donc ouais, tout peut encore changer, mais Hassan qui arrive à... Et attention, hein, on a une Red Bull, on a Bastoun. C'est Bastoun qui l'a perdu à la sortie des S. Aïe. Alors il, je sais pas s'il a cassé, s'il a pas de dégâts, non, ça, non, ça de va dégâts. Pouvoir le faire pour lui. La super attention qui commence à se rapprocher de lui. Et là, avec les pneus chauds, il risque de ralentir et super propre risque pour Bastoun d'avoir le DRS. Non, ça, il est encore un peu loin. Bastoun qui va peut-être pouvoir se défendre. Ouais, qui a récupéré par contre un Bastoun qui était le grand perdant. Il était 7ème, là il se retrouve 9ème et en plus avec les secondes de pénalité, on a Monsieur Superprop qui va peut-être pouvoir lui shipper sa place. Ouais. Pendant ce temps-là, on a la manche 2, Andredo, Flocus. Andredo qui contre-attaque. Ça va être loin pour tenter quelque chose sur cette ligne droite. Contre, il va y avoir la deuxième zone de DRS pour peut-être tenter quelque chose. À voir là, cet enchaînement là, cette chicane est aussi très importante. C'est elle qui conditionne cette accélération qui peut permettre de doubler, mais là ça va être trop loin. Andredo qui va devoir encore patienter, hein, et peut-être tenter une attaque sur le dernier tour. Mmh. Et un dernier tour, hein, que Wolf va commencer. Et Hassan qui a domicile. Non, la paire. Pas dans l'avant-dernier tour, garçon. La paire comme Bastoun au même endroit. Aïe. Enfin, pire du coup. Kajdanovic. Ouais. Trois pilotes qui ont été. Qui ont été victimes de la sortie DS du Mexique. Et il me semble qu'on a une VSC, hein, je ne l'ai pas affiché. Non. Non, on n'a rien. Forcément, on est dans les deux derniers tours. Les deux derniers tours, plus rien ne sort. Et on va faire un petit point, hein. Wolf, hein, qui va pouvoir peut-être aller s'imposer s'il réussit à finir tranquillement son tour. Ouais. Lui qui a l'écart à 9 secondes d'avance, son ami Kimak, ça y est, qui a une seconde, donc il pourra pas jouer la deuxième position, ça va être compliqué. On a Dida, hein, Dida qui va pouvoir protéger sa position du coup sur Resulis, hein, vu qu'Aston et Bastoun sont partis au tas malheureusement pour eux. Et on a Osavia qui va peut-être perdre sa cinquième position contre Resulis, hein, qui Resulis a ouais, bien est-ce monté. Est-ce que Resulis, hein, va réussir à être dans les 8 secondes. Et un sacré chapeau, un chapeau à lui qui n'a pris aucucune pénalité, l'un des seuls. Ouais. Avec ça y est, on a Wolf, hein. On a Wolf qui va passer la ligne. Aussi. Et ouais. Wolf qui célèbre sa victoire en passant la ligne au ralenti et en zigzagant. Bien joué à lui. Ouais, et Zidane qui va arriver derrière lui pour clôturer cette course. Zidane qui prend le podium et Mickey Mac. Qui vient prendre son troisième, podium, sa quatrième, Osavia cinquième, Resulis qui va peut-être passer devant Osavia, qui dépend de son dernier virage. Et ça passe devant Osavia, oui, 60 millième, ça se joue vraiment à rien. Ouais. On a Tic là, Tic qui va passer la ligne, septième position, et Bastoun, huitième position. Monsieur Superprop qui passe devant Bastoun. Attention, Dayard, 15ème position, qui va perdre une place. Puis deux. Deux places. Qui dit mieux? Mika qui arrive. Peut-être trois. Et trois places pour Mika. Pour Dayard de perdu. Donc on a Flocus 10ème, Andretto 11ème, Mika 12ème, Dayard 13ème. Et Brady qui vient clôturer cette course avec la 14ème position.
Ouais. Et ouais, une course sympa à suivre. On a eu pas mal de batailles. On a eu pas mal de batailles pendant toute cette course, grâce notamment aux safety cars qui ont relancé des batailles qui étaient finies. Mmh. Et on a eu une course assez propre. Hein. On a eu malheureusement trois pilotes qui ont été piégés dans la sortie des S. Hein, et, C'est ça, mais peu de dégâts d'aileron causés par un choc entre deux pilotes. C'est arrivé hein, quelques fois, bon, comme toutes les courses, mais pas de dinguerie, pas de pilote qui. Enfin, très peu de contact entre les pilotes. Franchement, c'était un bon petit GP comme on les aime. Et moi, je l'ai bien apprécié personnellement. Ouais, c'était un beau GP. Moi aussi, j'ai pas mal apprécié. On a eu des belles batailles, on a eu des beaux renversements de situation, notamment grâce au safety car. On a malheureusement hein, le pilote à domicile, Hassan, obligé de penser à lui, qui a été vraiment malchanceux au début et à la fin de la course. Et en plus de ça, il n'a pas pu finir cette course. Que vraiment dommage pour lui, hein, il n'est pas le seul. Hein. On a Yema, Kajda et Puff Puff qui n'ont pas fini cette course aussi, malheureusement. Et donc voilà, hein, on a un podium, on a Wolf qui gagne encore une course, on a Zidane qui fait un nouveau podium. Ouais, et Mikima qui me podium. Semble que et c'est Mikima, le premier, c'est podium son premier podium en Ligue B, hein, lui qui vient de l'XC, ouais. Qui était dans les trois premiers, et on va pouvoir l'accueillir pour une fois en ouais. Interview. Je vais l'ajouter. Ah, tu peux l'ajouter ? Ah oui, parce que moi, sans je souci. Pas. Donc on va accueillir, hein, pour ceux qui ne le savent pas, on va accueillir le podium et en Mikima interview. Qui en plus du podium, prend au passage le point du meilleur tour aussi. Bon, ça fait toujours plaisir. C'est vrai qu'on le mentionne pas à chaque course, on oublie d'en parler, mais ouais. Ce point du meilleur tour qui peut des fois aider. Et ça y est, on a Mickey Mac dans la vocale. Salut Mickey. Bonsoir à tous. Salut. Comment tu vas? Bah très bien. Avec un podium, on ne peut qu'aller bien. Ouais, bah ouais, c'est ce que je disais, c'est le premier podium pour toi en Ligue B, c'est ta troisième course ouais. En Ligue B, et déjà ça. Un podium, c'est plutôt pas mal. Bah ouais, je suis plutôt content, et puis j'avais un doute sur le fait de pouvoir finir en rouge là, mais je suis à 65% à la fin, c'était un peu chaud, mais j'ai réussi à tenir, donc je suis content. Ah ouais, c'est vrai que tu as tenté une stratégie assez, assez originale, et t'es le seul d'ailleurs à l'avoir tenté, et elle est bien passée. Safety, hein. En fonction des safety, parce que ouais, t'as profité aussi des safety cars du coup, ouais, pour ouais. Pas trop user tes gommes. Et puis ça a plutôt bien marché. Hein. T'avais un beau rythme à la fin. Bah peut-être dans les deux derniers tours, t'as perdu une seconde sur Zidane parce que tu te battais quand même avec lui pour les pénalités. Alors les pénalités. Oui et non, c'est-à-dire que je voyais que j'étais à 2/10 de ces 3 secondes de pénalité. J'en avais pas. J'avais deux solutions, soit attaquer et cramer mes pneus, soit abandonner la P2 et ouais, assurer et finir. La P3. Voilà. Ouais. Donc j'ai préféré jouer la sécurité et assurer la P3, surtout que derrière Dida il avait 9 secondes de pénalité en blanc, j'arrivais à garder l'écart, à pas l'avoir dans le DRS, donc j'étais plutôt, je suis resté serein sur la troisième place et ça me va très bien. Ouais bah c'est très bien joué à toi, hein, du coup non, merci. Le fait d'être serein ça t'a permis aussi de pas faire d'erreur et puis d'arriver tranquillement au bout même malgré l'usure. Exactement. Donc bien joué à toi. Hein. Merci. Troisième position, et puis du coup au classement, tu étais quatrième avant cette course. Là, tu vas je quand crois même... que ça va bien. Puis je crois que j'ai eu le meilleur tour, pilote du jour. Donc, ouais, tu vas accumuler plutôt pas mal. Tu as fait un combo aujourd'hui, ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a Wolf hein, qui a rejoint la vocale aussi. Bravo, Wolf. Merci. GG à toi, Wolf, pour cette belle victoire. Et donc, ouais, hein, Mickey, comme je disais, ouais, pas mal de points. Tu vas peut-être pouvoir te rapprocher des trois premières places. T'espères peut-être quoi en fin de championnat, peut-être une montée en Liga ou juste déjà essayer de finir tes courses. Éventuellement en Liga, mais après, c'est vrai qu'il va falloir pas mal s'entraîner pour rouler sans l'ABS, ce que je fais déjà de temps en temps, mais pas en championnat, parce que les erreurs sont quand même trop vite arrivées. Et bon, on va réfléchir à ce moment-là. Ok. Ok, bon bah on va te laisser tranquillement aller passer une bonne soirée, puis encore bonne soirée à tous. Bien joué à toi pour ta troisième et bravo position. Bravo à Wolf et qui c'était le deuxième, c'était j'ai un trou. C'est Zidane. Zidane. Bravo Zidane. Ok, bon merci à toi et puis on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour le Brésil. Ça marche, à plus. Allez, ciao ciao. Salut. Ciao ciao.
Et Wolf, on va t'éduquer, hein. C'est pas l'avocat à la C'est ta mère vrai, c'est ici, dans là. l'ordre. C'est quoi, Qu'est-ce que tu viens intervenir? On Ah, t'a pardon, pas... je C'est sais pas, on m'a l'interview tiré à ton l'argent. daron ou quoi? Ouais, mais lui, en Allez, fait, c'est où? parce que comme on l'a invité pour la pole position, genre ça y est, Pardon. il revient comme ça, comme si C'est c'était l'habitude, la... je vous en chez moi. Il revient Non, comme un mais tu peux frère. rester, tu peux rester tranquillement. On Je sais va pas, on m'a juste... dit qu'il fallait que je rejoigne. On va juste inviter Zidane. Je sais pas si tu Ouais, l'as invité. je te laisse l'inviter parce que moi je Vas-y, peux ok, pas, je encore une l'invite. fois. C'est lancé déjà. Bah, c'est lancé, je suis en train. Et ouais, non, bien joué à toi, Wolf. Mais les gens dans le chat vont patienter avant de t'entendre. C'est pour Ouais. ça que je suis mute là, je réponds pas. Ouais. Donc, Mickey Mac, ouais, qui est avec cette troisième position, ça va le rapprocher. Il a quand même 26 points d'écart avec la troisième position. Donc, il va pas rentrer dans le top 3, mais il va bien s'en rapprocher. Hein. On a Zidane aussi, hein, qui est en 8e position et qui va gratter pas mal de places, qui va peut-être être 5e grâce à cette deuxième position. Je sais pas si sur le Discord, Zidane, il n'avait pas pu venir en vocal, je crois, la dernière fois. Aucune Je idée, sais pas je s'il lui ai envoyé a. un message. Si tu as des nouvelles de lui, sinon on va interviewer déjà Wolf maintenant que t'es là, on va pas te faire perdre de temps et. Wolf, 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 m'entends-tu? Je Ne veux pas reçois pas-tu? perturber le protocole, hein. Je vais faire plus sûr que Zidane soit pas là. Bon, Wolf, on va passer à toi. Bien joué, mec, pour cette victoire. Hein. T'as assuré, t'as fait la pole et t'as assuré pendant la course pour garder la tête. On a vu des safety cars qui n'ont pas forcément été à ton avantage, surtout la deuxième. Bah, explique-nous comment ça s'est passé Ouais, pour bah les toi. safety cars, on a l'habitude, hein. C'était presque prévu que j'en ai une. Donc, bon, c'était pas une surprise qu'il y en ait une deuxième. Sinon, ça s'est bien passé. Bah, Un Zidane m'a départ qui coquillé. s'était passé comme prévu, comme tu l'avais dit. Ouais, ça s'est vraiment passé comme je le voulais. Donc, ça, c'est vrai que c'était cool. Et puis après, ouais, c'était plus de la gestion. Il y a Zidane qui m'a attaqué à une relance À la de deuxième, ouais, parce que la virtuel. première, en vrai, elle peut à la limite t'arranger. Tu t'arrêtes, tu pars sur ta stratégie, Ouais, tu changes tes on... pneus, tu ressors quatrième. En plus, à ce moment-là, Zidane, il ressort sixième, un peu bouché par d'autres pilotes. Ouais, puis Toi, tu c'était passes très Bastone. vite premier. Ouais, c'était C'était Bastoun, Bastone ton qui gérait écurie. la safety car, donc c'était plus facile de gérer entre nous. Ouais, Ce donc qui était cette à safety relance. car, t'as plutôt bien servi. Par contre, après la deuxième, on a vu un Zidane qui t'a attaqué direct à la relance, qui est passé à la fin du premier Ouais, j'ai virage. préféré le laisser passer parce qu'il m'a pas laissé la place dans le droite. Enfin, moi j'ai la sensation qu'il me laisse pas la place, je suis obligé d'escalader le vibreur à l'intérieur, donc je me suis dit tant pis, je vais freiner, je vais le laisser passer et puis j'essaierai de le revoir plus tard. J'avais pas de pénalité en plus. Et voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris le DRS, j'ai pris l'aspiration, je suis passé et après j'ai géré un peu tout, les limites de piste, etc. Ouais, bien joué. Bah, c'était une belle course hein, que t'as bien géré du coup. Et entre-temps, il y a Zidane qui est arrivé. Salut Zidane. Comment tu vas? Tu vas bien? Ouais, bah bien joué pour ta deuxième position. Hein. Ouais, nous ça va, hein, tranquille. Ouais, bien joué, hein, comme je disais, hein, une belle course de ta part, hein, une belle bataille avec Wolf, notamment, comme on est en train de le dire, grâce aux safety qui ont permis de pas mal relancer. Je crois qu'on t'entend pas sur le live, Zidane. Il y a Mickey Mac qui nous dit ça. T'es sur Play 4? Ok, c'est bon, là, ça doit être bon normal. Ok, dites-nous dans le chat si vous l'entendez. Ouais, C'était c'est bon, bon, les ça gars? y est. Ouais, ça y est, c'est bon. On t'entend. Ouais, Bravo, non. Wolf, déjà. Bien joué. Merci, merci. Toi aussi. Merci. Ouais, une belle bataille entre vous deux, comme je disais, alors que on va te laisser nous expliquer ton ressenti. Voilà. C'était une bataille sans en être une, parce qu'il était plus rapide quand même. Ouais, il était plus rapide, mais les safety ont permis un petit peu de Ouais, garder ça a un petit relancé, ça a mis un suspense petit peu. entre vous, quoi. Mais c'est vrai Après, que... Wolf, il faut qu'il s'entraîne sur les relances, parce qu'il perd beaucoup de temps sur les relances. Ah, j'avais les pneus, mais je l'ai, hein. Ils avaient fait un tour en Laponie pendant les tours de safety car. Les trucs, c'était bleu, le machin. Ah bah ouais, c'est vrai que là, la safety car, t'as fait une sacrée relance et tu l'as bien piégé.
Par contre, on l'a Après, bien. ouais, je savais que c'était ma seule chance. Je savais que c'était ma seule chance qu'après, il allait s'enfuir, quoi, comme il avait fait la première fois. Et bah nous, le premier tour, on a cru que t'allais t'enfuir parce qu'il me semble qu'il y a un moment avant la zone de détection, Wolf, t'étais à 9 dixièmes, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, je gérais un peu, je Ouais, voulais pas ouais. me prendre de pénal ou quoi. Et après, t'as eu le DRS Ouais, et c'est un peu c'est sympa, là les tu. pénales. Ouais, les pénas, hein. C'est vrai que vous avez plutôt bien géré. Hein. On aurait pu s'attendre à pire. Bah, tout le monde a bien géré. Ouais, à Ouais, part ça allait, Dayard. franchement. Mais Dayard, on l'avait prévu. C'était prévu. Ouais. Si j'avais pu faire les prédictions, c'était une prédiction pour savoir s'il était disqualifié ou pas. Mais ça va, 12 secondes. 12 secondes, il était large. Bon, bah les gars, je vais vous laisser tranquillement aller finir votre soirée. Encore GG à vous. Ça va, Bah, merci. ça réserve de belles batailles là pour le Brésil la semaine prochaine, hein, parce que là, le classement, ça se resserre devant. Donc, il y a un podium à aller chercher pour aller chercher une place en Liga et pour obtenir aussi le petit trophée, hein, qui ferait bien plaisir. Donc, GG à Ça vous, fait bonne toujours. soirée, et puis on se dit à la semaine prochaine, les gars. Ça va, merci, bravo Ça Wolf, merci les marche. gars d'avoir streamé, c'était cool. Bah, Merci à vous merci. pour le Pas de casque. soucis. Salut tout Merci le à monde. vous. Pas de soucis. Bonne soirée. Allez, ciao ciao les gars, bonne soirée. Salut! Bon bah Louisy, voilà, ça y est, on se retrouve encore une fois que tous les deux et puis C'est réglé. avec un nouveau GP bouclé. Un Ouais. GP qui s'est plutôt bien déroulé, hein, comme on l'a dit, pas trop Ouais. d'accrochages sur la piste, des petites erreurs de certains pilotes en solo qui leur ont coûté bah, le fait de Ont pas coûté pouvoir finir la cher. course. Donc voilà. Et puis voilà. Donc j'espère que dans le chat vous avez tous plus ou moins, bah, vous avez plus ou moins apprécié ce stream. Je vais faire un dernier petit rappel pour ceux qui sont là et puis ceux qui passeraient peut-être sur le replay et qui resteraient jusque-là. Il y a des places à gagner pour le GP de France. Donc deux passes pour tout le week-end. Donc Q3, qualif. Non, pas Q3, pardon. Essai libre 3, qualification et Ouais. course du dimanche. Donc tout le week-end pour le GP de France. Pour participer, il suffit de follow la chaîne. De follow la chaîne Twitch, Twitter et Instagram de la VMV. Donc n'hésitez pas à follow pour avoir une chance de gagner. Et si vous voulez plus de chance, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit sub, hein, le sub qui aide aussi à faire grandir la chaîne en même temps. Et puis vous avez aussi d'autres moyens de gagner. D'avoir une chance de gagner donc ces deux places en rejoignant le Discord. Ou en faisant un don à la chaîne. Donc voilà. J'essaie de mettre toutes les chances de votre côté pour que vous tentiez de gagner ces places pour le GP. J'espère que je spamme pas trop. Je sais pas ce que t'en penses, Lightning. Lightning. Non, Je t'ai appelé nickel. Lightning. Hein. Quoi? Je Pourquoi t'ai quoi? appelé Lightning. Parce que je voyais son Non message dans le chat, donc j'ai lu Lightning. Excuse-moi, Louis, désolé. mais Ah, donc voilà, les gars. Ah, Lightning qui lâche le petit MDR, il était encore là. là, il Tu est m'aimes jusqu'à trop, la fin mec, ce qui rat dit. là. Il me dit tu m'aimes trop, mec. Bah ouais, lui, il se dit bah, avec le visionnage sur la chaîne, plus il passe de temps, plus il a de chances de gagner. C'est bien, Lightning, reste jusqu'au bout, mon C'est gars. bien, c'est bien. T'es un vrai. J'espère que tu gagnes pas. Voilà. Ouais, j'espère que tu nous spins pas dessus demain. Et vice-versa. J'espère que tu ne nous dégommes pas. Bon, les gars, on va se laisser Aïe, là. Encore merci à tous ceux qui sont passés ce soir. Merci à vous d'être là, d'être présent, d'animer un peu le chat. Merci aussi aux pilotes de nous régaler pendant les courses. Merci à toi, Louzi, de co-caster comme d'habitude. Comme un parfait co-caster, tu nous donnes les infos nécessaires au moment où il le faut. Merci, merci à toi. Merci à tous, hein, d'avoir été présents comme d'habitude. Ouais. Je sais pas si tu l'as dit, mais je répète, bref, on s'en fout. On est là, on Mais est ouais, là, on remercie, merci, pas de merci, soucis. merci, merci, merci. On se donne rendez-vous demain, les gars, sur cette chaîne. Demain, c'est la Liga et le Pack et Brady seront là pour animer le stream. Donc, venez, n'hésitez pas à venir bah, nous encourager et puis à donner de la force à tout le monde. Et on a Lightning, hein. Il dit, frère, il y a deux places. Si je gagnais, je prends Basico. Merci à toi, Louisy. Même quand on le remercie, il est déprimé. C'est désolant. Ah, Mais tu tu m'emmènes vas avec toi, pas les Lightning, si gagner. tu gagnes. Eh, Lightning, tu l'as dit, hein. Eh, gros, C'est un clipper, menteur, c'est clipper. un menteur. Clipper Clipette! ce moment dans le chat, Clipette à Lightning. tous! J'oublierai jamais ce que tu as écrit là. Je le prends en Ça photo. sert à rien de clipper, il va pas gagner de toute façon. Mais ouais.
Bon, allez, merci à tous et bonne soirée à tout le monde. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour la Ligue B et demain la Ligue A avec Brady Le Pack. Ouais, Allez, ciao, déjà ciao tout le monde. demain et après la semaine prochaine. Ouais, déjà demain, les gars. Venez demain et après vous revenez dans la semaine pour les PC aussi. Et après vous revenez lundi. Allez, ciao, Voilà. ciao tout le monde. Allez, salut!